Bah écoutez, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, ça, c'est un peu troll, c'est un peu marrant, il y a un peu de tout. Alors, 52% des patients sont persuadés de repartir en meilleure santé qu'en arrivant. Alors, je vais vous gêner là. Many of whom have even been to medical school or watched ER. If you suffer from turtle head, let us ease. Oh ouais, ça va être un peu le bordel. Alors j'ai pas joué, donc c'est découverte totale. Just infection is no laughing matter. Put your trust and oversized shoes in our capable hands. Mais ça va être un faux hôpital. And hardly anything will stand in our way. Ah ouais, c'est grand quand même les hôpitaux que tu peux faire. The best. So join us at Two Point Hospital. Ah ouais, je mérite le meilleur. We're open for new staff, new patients, and a new you. Ah ouais. Ah ouais, j'ai envie d'être un nouveau moi, j'ai envie d'être un nouveau moi. Ah, c'est quelque chose que j'ai envie de faire, là, ça je vous le cache pas. Hein. Les maladies sont humoristiques. Ok, bah c'est bien, parce que c'est clair que c'est aussi un peu le but. Alors, ah, ça ressemble un peu à Overcooked, le... On a l'impression. Bienvenue à Two Point County. Ah ouais, je. Ah ouais, où est-ce que je vais me mettre? On va voir où je me mets. On va aviser pour se mettre, d'accord. Voici Oxport. Et votre premier hôpital. Cliquez dessus pour lancer. C'est mon hôpital? Oh, c'est mon hôpital. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Menu, carrière. Alors, j'ai 200 000 dollars. Ok. Commencez votre carrière de directeur d'hôpital. Apprenez les bases et construisez votre premier hôpital. Oh bah, je commence. Bon, on y va. Salut mon super pote, je suis le cerveau aujourd'hui. Salut Zietek. Je viens seulement d'arriver, il a démarré le stream à quelle heure? Bah, il y a 5-10 minutes, donc là on est en découverte de Two Point Hospital, donc t'as rien loupé, c'est le tout début. Bienvenue à Two Point County. Êtes-vous prêt à construire votre premier hôpital et à guérir des patients? Bah oui. Alors commençons par les bases. Vous souhaitez probablement visiter l'hôpital. Ah, je vais vous cacher des trucs là aussi. Bon, c'est pas grave, on va faire en fonction, il n'y a pas grand chose derrière moi là. Pour déplacer la caméra, maintenez le bouton droit de la souris et faites glisser le curseur. Déplacez le curseur sur les bords de l'écran. Vous pouvez utiliser les touches ZQSD. Ok. Voilà, on est bien, donc là on déplace, hein. Je déplace un max. L'endroit le plus important de l'hôpital est la réception, c'est là que les patients se présentent en arrivant à l'hôpital. Construisons un bureau de réception près de l'entrée. Ah bah allons-y, alors c'est dans élément. Alors, je vais me redécaler un peu, je vais me foutre là. Je vais me foutre là, comme ça sera bien. Alors, élément, réception. Ah, je peux poser un... Comment on tourne? Oh, ça c'est pour descendre. Ah oui, il y a des touches pour... Comment je fais pour remonter? Bah c'est con. Ah ouais, tu peux tourner. Alors j'ai trouvé que le E pour l'instant pour tourner, sachant que le A fait pas la même chose. Ah bah non! J'ai pas lu en bas. Tout est marqué en bas. Oh, c'était bien. Moi j'ai loupé. Yes. Alors en fait, c'est très nouveau, mais le but est vraiment d'avoir une nouveauté dans ces hôpitaux. Et parfois justement, c'est un peu trop conforme. Donc parfois c'est un petit peu trop court. Ah, on peut vendre. Ramasser. Ah, je peux ramasser. Et je peux remettre, d'accord, ok, c'est bon, on a tout compris. Alors, réception. Comment, du coup, c'était quoi la touche? Tu peux les remplacer, Domi. Ah, ça commence bien, appuie sur X. Parfait. C'est bon, parce que j'avais pas vu. Alors, on va poser la réception en face. Et on a pas mal d'espace. Alors, maintenant, il faut embaucher. Cliquez sur embaucher, puis assistant. Je vais laisser un candidat, puis cliquez sur le bouton embaucher. Bah, ben, écoutez, on va embaucher tout ça. Alors, assistant. Alors, on a des assistants différents. Alors, on a. Oh, c'est pas mal, j'ai bien aimé ce jeu, je pense. Alors, on a Sylvia. Alors, il y a des étoiles. Elle a aucune compétence, Sylvia? Eux, ils ont l'air d'avoir des compétences. Alors, ça, c'est ce qui coûte. C'est par mois, parce qu'on a 200 000 dollars. Est-ce que c'est par mois? C'est par... On a Bertie Dogflud. Elle a 3 étoiles. Elle a quoi? Intelligence émotionnelle. Augmente le bonheur, plus 10%. Augmente la vitesse et l'efficacité, plus 10%. L'énergie diminue plus lentement. Peut travailler plus longtemps. Oh, bon, Bertie m'a l'air lourd. Hein. Attends, Clive, qu'est-ce qu'il a? L'aptitude service à la clientèle. Oh, non, moi, je veux un très bon réceptionniste. Hein. Oh, mais il y a des trucs, en plus, déborde d'énergie, tourne sur lui-même pour se sentir mieux. Ah, c'est un malade. Des bandes d'énergie, excellente organisation des câbles. C'est Théo, quoi, Clive. Peu motivé, petite vessie. Ah non, bah on va prendre Bertie. Moi, je prends Bertie. Allez, je prends Bertie. On va rezoomer un peu. Là, faut juste le poser. Moi, j'ai embauché un assistant. Oh, ça y est, ça a démarré. Alors, bureau de généraliste. Bien avant de pouvoir officiellement ouvrir officiellement, nous avons besoin d'un bureau de généraliste. Oui, parce que sinon, c'est juste une réception. Ça sera pas intéressant. Les patients doivent consulter un médecin généraliste à chaque étape du diagnostic. Le médecin généraliste vérifiera l'état des patients, s'ils sont prêts au traitement, etc. Donc, il faut construire un bureau. Construction de salle. Pour construire une salle, cliquez sur le bouton salle, puis choisissez une salle dans la liste. Une fois la salle choisie, tracez un plan au sol de la taille désirée. Et on fait ce qu'on veut comme plan. Genre, je peux faire un grand bureau. On met où? On va mettre où? On va mettre là. Tracer un plan de taille minimum 3 par 3. Comment je... Ah ok, c'est bon. C'est bien ça.
Et ensuite, tu peux mettre des petits... Tu peux mettre une porte. Bah, la porte, on va la mettre là. Ah, direct, direct, ça te met les bureaux et tout. Je vais mettre ça. Oh putain, mais il y a la radio et tout. On va mettre ça comme ça. Ah, il faut une poubelle quand même. On va mettre une poubelle. Ah non, je vais mettre la poubelle là. Mais je suis dans GTA ou quoi? Pourquoi le mec est en train de parler? On va mettre une plante. On veut que ça soit sympa hein, quand même le cadre. Ici, on va tourner comme ça. Comme ça, il a accès à tout. On va lui mettre une petite fenêtre. Ici. Petite fenêtre ici. Petite fenêtre ici. Et ben voilà. Placer une porte, un bureau et un classeur. Porte, bureau, classeur. Ensuite, cliquer. Enfin, cliquer sur la coche verte. Où est la coche verte? Ah là. Oh, il s'est créé. 6 000 $. Bien. Retourne le bureau. Non. Ah ouais, merde. Parce que. Ouais, c'est comme ça plus. Le patient arrive là. Il se pose là. Le patient arrive, il se pose là. Alors maintenant, faut embaucher un docteur. Parce que. Ouais, on commence, hein. Mais encore Clive. Ah non, c'est pas la même chose. Parce que là, il y a des infirmiers, il y a des docteurs. Alors, les docteurs valent tellement cher. Ah ouais. Nouveau candidat dans 13 jours. Ah, on a des candidats au fur et à mesure. Ah, mais attendez, il faut peut-être que je mette pause. Ah ouais, je vais mettre pause. Parce que sinon, là, je perds du temps. Alors, tu mets ta poubelle à 3 mètres de ton bureau, toi. Bah ouais, le but, c'est de les lancer, les papiers. Bah ouais, sinon, il n'y a pas d'intérêt. Alors, Geoffrey Kitten. Aptitude au traitement plus 10%. Aptitude diagnostic MG, bureau de généraliste, c'est la même chose. Non, ils ont les mêmes stats. Ils ont les mêmes stats. Ah bah je vais prendre Geoffrey, il vaut moins cher. Une vraie bombe. Achète sans cesse des écharpes, ne les porte jamais. Fatigue facilement, demande plus d'argent, connaît un tour pour épater. Oh bah non, jamais. On va prendre Geoffrey. Allez, on prend Geoffrey. Tiens, pose-toi là, toi. Parfait, on a embauché un docteur. Oh bah ça commence bien. On a une bonne réputation. Oui, bon, faut que je mette start. Mais il se barre déjà. Hôpital ouvert. Notre hôpital est désormais ouvert. Les patients commencent à arriver. Après un passage à la réception pour se présenter, ils seront envoyés à un bureau de généraliste pour être diagnostiqués. Mais il se barre. Il ne te barre pas. Zoom et rotation. Utilise la moulette de la souris pour zoomer et dézoomer. Afin de faire pivoter la caméra, maintenez le bouton central de la souris et déplacez vers la gauche-droite. Afin de changer l'angle de la caméra, maintenez le bouton central de la souris et déplacez vers le haut-bas. C'est beau, c'est beau, c'est beau ce que je fais. On est en train à l'heure actuelle de faire quelque chose de beau. Gardez un œil sur le premier patient. On est bon ? Diagnostiquer un patient. C'est bon ça, je crois. Parfait. Ah, oh, c'est notre premier patient. Alors, c'est Dolly Image. Elle se rend à la réception. Elle fait la queue. Alors, pour l'instant, elle est bonne heure. Oh, mais c'est les Sims, le jeu, c'est pas possible. Arrivée de Dolly Image. Et qu'est-ce qu'il fait, là, du coup ? Objectif. Diagnostiquer un patient. Oh, elle va être envoyée dans le bureau du patient. Enfin, du docteur. Enlève le chat. Ah oh, oui, le chat est hyper mal passé. Oh, le chat est... Attendez, mais est-ce qu'on se met le chat quelque part ou on met pas de chat? Est-ce que si je mets le chat là-bas, ça va être agréable ou y'a pas d'intérêt? Et on fout où c'est horrible partout. No chat, pas de chat. Pas de chat. Adieu le chat. Adieu le chat, je suis désolé, j'ai un patient. J'y retourne. Alors, il toque. Vas-y, rentre. Toi, t'as l'air d'être un branleur, toi, quand même. Ok, mais c'est très beau, tout ça, là. Objectif, diagnostiquer. Il faut faire un truc quand on diagnostique? J'ai gagné 500 balles. Nous avons diagnostiqué nos premiers patients. Le généraliste nous a envoyé un message. Vous devriez aller le lire dans la liste en bas à droite. On dirait que nous avons besoin de construire une pharmacie pour traiter le patient. Pharmacie nécessaire. Nos médecins ont découvert une nouvelle maladie, le ciment. Le ciment se transmet principalement par les joints de carrelage des salles de bain. On le guérit facilement grâce aux médicaments modernes, alors qu'il devait être enlevé au burin par le passé. Le patient cherche à se faire soigner, il nous faudrait une pharmacie pour le traiter. Sa construction coûte. Attends. On fait attendre le patient. Parce qu'on va faire une... Je fais une pharmacie. La pharmacie, on va la faire là. Juste à côté de l'entrée. Beaucoup trop grand. C'est pas grave. Oh, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cet engin du démon? Pharmacie de prestige. Il faut une poubelle dans la pharmacie? Il faut un extincteur, peut-être. Ça peut prendre feu, ça. Oh là là. Oh, la pharmacie est un peu nulle. Oh, la pharmacie est gigantesque. Mais au moins, la pharmacie est juste à côté. Tu sors du bureau de généraliste et t'es dans la pharmacie. Ah, mais il faut pause le jeu à chaque fois parce qu'on a beaucoup trop avancé là. Dès que je construis, il faut pause. Alors, faut embaucher un infirmier. Alors, attendez, on va embaucher un infirmier. Ok, faut que je pose un peu. Oh, il y a des infirmiers de ouf. J'ai 2-5 étoiles. Elle dépasse. Ouais, elle dépasse, mais c'est fait exprès parce que ici, en fait, ça va être une zone atypique.
une zone un peu différente. Alors il y a Brian Sandwich. Brian Sandwich peut être sympa. Augmente l'aptitude. Ah mais 18 000 balles. Est-ce que je voudrais pas le crack Edna. On n'a pas de femme encore. Alors le bonheur, il fait quoi lui? Traitement. Bonheur, ouais. L'énergie diminue plus lentement. Je peux travailler plus longtemps. Moi je prends Edna. 33K, travaille pour des cacahuètes. Mécontente métaphysiquement. M argumenté, né pour enseigner. Obstacle niveau 6. Ah non, on va prendre Edna. Edna, c'est bien, ça nous fait une femme en plus, ça va être cool. C'est important, hein, c'est important le... Moi, la pharmacie, c'est important chez moi. On va foutre des plantes, hein. Oui, mais venez, on fout des plantes, là. Une petite plante, au moins, dans la pharmacie. Oh, ils sont en train de se faire traiter, là. Ils se font soigner. Présentoir contient des brochures informatives sur les zones touristiques de la région. Ou par exemple, comment rester en vie. Parfait, du coup, tu vas pouvoir avoir ça juste à l'entrée de la pharmacie. Quand tu te fais chier. Fantastique ça, je suis en train de créer quelque chose là. Y a pas de fenêtre, comment on met des fenêtres? Salle. Comment je mets une fenêtre ici là? Il me faut des salles. Pause, que j'ai eu un succès là. J'ai eu un succès, patient guéri. Alors beau travail, faut mettre des bancs. Oh putain, attendez, je découvre le jeu. Me dites pas tout, on découvre. Beau travail, nous avons guéri notre premier patient. Nous avons obtenu de l'argent et la réputation de notre hôpital a grimpé. Ce qui attira d'autres patients. Lorsqu'un docteur ou un infirmier c'est un peu fort ça hein. Lorsqu'un docteur ou un infirmier traite un patient, leur capacité influence les chances de succès. Certaines maladies sont plus dures à traiter que d'autres. Parfait, avec la barre espace, je peux stopper le temps. La barre espace va me sauver. Alors, moi, je veux quoi? Je veux des éléments. Un distributeur de... Oh, on peut foutre plein de trucs. C'est où les fenêtres? Oh, il y a des jeux d'arcade. Oh, mais c'est incroyable, c'est un parc d'attraction. Des bancs. On fout des bancs pour attendre? Ils attendent où? Les gens vont attendre devant le médecin? Et devant la pharmacie. Comme ça, c'est parfait. Comme ça, ils peuvent s'occuper, les mecs. Oh, c'est bien. Et on va foutre une petite plante ici. Parce que c'est un mec cool, lui. Hop. Parfait. Ah, oh, je veux pas ça là. Attendez, je change tout. Présentoir, on va foutre ça là. Ah, oh, je sais pas où mettre. Je vais mettre ça là. Et je vais foutre des distributeurs de soda ici. Juste en sortant de la pharmacie. Comme ça, c'est bien. Je pense que c'est bien comme ça. Et distributeur d'encas. Comme ça, ils vont pouvoir grossir en attendant d'être soignés. C'est bien. Ça, c'est bien. Parce que du coup, faut plus du tout les sauver, là. Tourne si jamais tu veux mieux placer les choses, tu vois mieux. Oh ouais, mais là, c'est beau, là! Ok, alors tout se passe bien pour l'instant. J'ai un petit message. La réputation de l'hôtel s'améliore à chaque patient guéri, mais à chaque échec de traitement, elle diminue. Donc, plus si le patient meurt. Oh bah merde. Ok, pas de soucis. Ok, pour l'instant, on a l'air bien. À chaque fois, il y a lui. Qu'est-ce que je dois faire? Quels sont les objectifs? On a pas d'objectif pour l'instant. Pour l'instant, je fais tourner. Alors, agent de maintenance et entretien. Maintenant que nous disposons de machines au prix élevé, nous devrions envisager de les entretenir. Les machines se détériorent à chaque utilisation et doivent être réparées de temps en temps. Si une machine devient trop usée, des incendies peuvent se déclencher. Les incendies sont en général mauvais pour les affaires. Embaucher un agent de maintenance afin d'entretenir les machines et placer aussi quelques extincteurs dans l'hôpital. Bah vas-y, moi je te prends direct un petit agent. Il me faut un deuxième un agent de maintenance. Alors, bah là, ça joue vraiment à pas grand-chose, hein. Sans intérêt aucun, motivé, se croit dans une comédie romantique, se débrouille bien avec les serviettes. Se croit dans une comédie romantique, Pitre aime ses fruits et légumes sans peau. Attends, pause, faut que je mette pause à chaque fois que je fais ça. Faut que je prenne le truc. Permet à un agent de maintenance d'améliorer les machines. Ah bah c'est les mêmes. C'est les mêmes, mais il y en a un qui vaut moins cher. Sans intérêt aucun. Ouais, il est con lui. Bah. Attends, pourquoi? Pause, ouais, faut que je mette pause. Du coup, faut les poubelles pour les distrib. Ah c'est vrai. Arrête de dire je vais mettre ça là, STP. Il y a une formule magique ou quoi? On va prendre Bob. Parce que moi j'aime beaucoup Bob. Sinon tu attends les 13 jours. Ah non, c'est bon, Bob regarde comment Bob est content. Bob, on le fout là, Bob. Parfait, Bob il va pouvoir faire sa petite vie. Alors il nous faut aussi un extincteur de plus. L'extincteur, on va le mettre juste ici. Emplacement non valide. Ah, c'est contre un mur? Oh, ça me plaît moins. On va foutre ça là. Comme ça, ça reste pas mal. Bah, parfait. Et bon, on peut continuer. Alors, les agents de maintenance iront réparer les machines lorsque leur niveau de maintenance passe sous la barre des 50%. Vous pouvez également demander à un agent de maintenance de réparer une machine immédiatement depuis les options. Ok, parfait. Alors, salle, pour l'instant, j'ai pas grand chose de plus et je peux embaucher, mais y a pas besoin. Bob, il est secoué. Mao! Merci beaucoup, Mao!
dis plutôt Wingardium Leviosa. Il est motivé. Ouais, il est motivé, il est motivé. Il est important de garder votre personnel et vos patients heureux pour que l'hôpital fonctionne sans heurts. Les patients commencent à s'ennuyer, à avoir faim et à avoir soif avec le temps. Assurez-vous qu'ils aient toujours accès à des sources de divertissement, de nourriture et de boissons, ainsi qu'à un fauteuil confortable lorsqu'ils attendent. Si le moral se dégrade, ils quitteront l'hôpital pour se faire soigner chez un concurrent. Ah ouais, mais la réalité, c'est que... La réalité, putain, tu vas aux urgences, t'as pas ça. Hein. Pivoter un élément en cours de placement, donc c'est X. Placer un élément, effectuer un clic, annuler un élément, soulever un élément, placer la souris sur un élément et maintenir le bouton gauche. Eh ben écoutez, vendez. Ok. Alors, du coup, il nous faut quoi Ah, mais ça, les objectifs, on les voit plus, ça. Ça, c'est une vraie arnaque, ça. C'est-à-dire que il te montre les objectifs et ensuite, il te les montre plus. Il faut juste du divertissement, quoi. Il faut du divertissement. Est-ce qu'on ferait pas une petite salle d'attente? Est-ce qu'on serait pas un petit... Comme ça, ils vont pouvoir jouer. Clac. Clac. Tu vois, et on fait un truc genre... c'est le Battle Royale. Ici, c'est la zone de Battle Royale. Voilà. Ici, moi, je trouve ça sympa. Il y a une zone, il y a une ambiance. C'est-à-dire que tu peux te parler. Oh ! J'ai la meilleure idée. Et comme ça, ils se divertissent. Avec un présentoir de brochures. Oh ouais, là, c'est bien. Alors, l'énergie du personnel est pause. Votre personnel s'épuise en travaillant, normal. Et à terme, une pause s'impose. C'est beau. Une salle de repos aide le personnel à se relaxer et à retourner au travail en pleine forme. Les besoins, les boissons et en cas aident également à les mettre de bonne humeur. Plus une salle est grande et remplie d'un élément intéressant, plus elle est prestigieuse. Les personnes dans une salle prestigieuse voient leur bonheur augmenter en conséquence. Ouais. Salle de repos, bah, je vais faire une salle de repos, moi. Tu me demandes ça. Où est-ce que je la fous, la salle de repos? Mais ça va être très grand, l'hôpital, ou pas? Parce que... Oh. Mais une poubelle avec le distributeur. Ouais, putain. Apparently, patients are just as likely to die from sinkholes and crumbling ceilings as any diseases. Non, c'est nul, ça. Non, c'est nul. Je veux faire X. Ouais. Ouais, je voulais pas faire ça. Je vais la foutre là, la salle de repos. Ouais, belle salle de repos. Belle salle de repos. Encore, plus de canapé. Que ce soit vraiment du repos, quoi. Un petit casier ici. Oh la vache. Qu'est-ce que je l'aimais bien. Distributeur de soda. Non, stop. Faut que je fasse pause. Faut que je fasse pause dans ces moments. Putain, je mets jamais pause. C'est incroyable, ça. Parce que je suis con. Attendez. Parce que là, on est en train de construire quelque chose, là. Eh, direct, des deux côtés de la porte, t'as des bails. Hop, pour une petite poube ici. Oh, la petite poube ici. Et petite poube ici. Parce qu'il faut pas négliger les poubes. Des plantes. Les plantes, ça les rendra heureux, je pense. Des plantes partout. Et on met un fauteuil à côté. Un fauteuil ici. T'en montres un peu. C'est pas si mal, hein. Fenêtre. Il faut des fenêtres. On peut pas foutre de fenêtres. Ah, c'est pas ouf, là, tout d'un coup. Si la fenêtre ici, mais bien, quand même. Bah, une fenêtre. Ok, bah ça me semble bien, moi. Un extincteur. Ah, vous aimez ça, les extincteurs. Extincteur, c'est vrai que c'est propre. Allez, je vous fous un extincteur, là. Putain, eh, c'est beau. Hein. Vous avez envie de travailler avec moi dans cet hôpital? Je comprendrais. Hein. J'embauche. Hein. Si vous voulez, j'embauche. Moi, je vous le dis, on peut encore embaucher. Qu'est-ce que je prends? Salle de repos. Les membres du personnel se rendent en salle de repos lorsqu'une pause s'impose. Remplissez la demande. Ça, on vient de le faire, non? Notez, vous pouvez placer un membre du personnel dans la salle de repos pour lui faire prendre une pause ou une salle... Dans une salle de travail. Ok, mais pour l'instant, il charbonne, là. On voit un peu la fatigue des gars et tout. Travail à bureau. Ah ouais, on voit quand ils en ont un peu ras le cul, quoi. Qu'est-ce qu'il fout, lui, là-bas, là? Agent à tout faire. J'ai l'impression qu'il se branle, lui. Hein. À 40K, l'infirmier, je viens. Ah, bah, tu m'étonnes. Alors, mets les fenêtres au début. Ouais, c'est plus simple, ouais. Mets en pause le jeu. Oui, je vais le faire. Je vais y penser. Les boissons et en cas sont parfaits pour le moral, mais sans poubelle à proximité, les gens risquent de jeter leurs déchets au sol. Tant que nous y sommes, les patients comme le personnel ont tendance à devenir ronchons sans accès à des toilettes. On devrait commencer à investir dans de la porcelaine de qualité. Les agents de maintenance aideront à entretenir les stocks des distributeurs, nettoyer les déchets. On en a déjà un agent de maintenance. Moi, je trouve qu'on est bien avec toilette débloquée. Direct, direct, qu'est-ce qu'on fait? Pause. Et déjà, là... Oh, c'est beau, putain. C'est beau. Moi, jamais j'aurais cru que j'aurais fait ça. Hop, une petite poubelle ici. Petite poube ici. Petite poube ici. Petite poube. On se régale là pour l'instant. Pour l'instant, je vous le dis, on se régale. Et je crois que je sais comment faire une salle. Je vais faire des toilettes ici. Alors, ça peut paraître bizarre. Ah, c'est bizarre en fait. Mais c'est pas mal. Non, c'est nul. On annule. Ah, quoique. Avoir des toilettes à proximité, c'est quand même pas mal. Hein.
Petite toilette, petite porte, petite toilette séparée, inatteignable. Ben voilà, lavabo. Ah oh, ça va être nul ça. Oh, les toilettes sont à chier là. Lavabo ici, sèche-main juste ici. Faut des poubelles partout. Ah non, parce que les plantes dans les chiottes, je sais pas si c'est une bonne idée. Hein. Allez, on fait ça. On met une poubelle au milieu. Comme ça, s'il y a eu un souci, les toilettes sont à l'envers. Ah ouais, merde, les toilettes sont à l'envers. Oh putain, vous êtes bon, vous. Ah ouais, moi, c'est pas les... Ah bah, je peux plus, du coup. La poubelle a tout niqué, là. Je vais être séparé. J'ai perdu de la place. Oh, c'est beau, putain, chez nous, c'est beau. Regardez un peu. T'as envie d'y être. Y a pas des urinoirs? Ah, foutez des urinoirs, nom de Dieu. Là-bas, là, on peut faire un truc, là-bas. Ouais, c'est mieux comme ça. Ah, là, je me sens beaucoup mieux, je me sens beaucoup plus feng shui, là. Ouais, là, je suis feng shui, là. Je suis très feng shui. Parfait. Ah, je suis full feng shui, là. Alors, les agents de maintenance videront les poubelles, la fenêtre. Non, pas de fenêtre dans les chiottes, c'est glauque, c'est glauque. Et déboucheront les toilettes si nécessaire. Parfait, déboucher, déboucher. Bon, on a plus tant de thunes que ça, là. C'est quoi notre objectif? On a zéro objectif, hein. Là c'est juste vraiment, hop, le mec il se rend à la réception, il a quoi lui? Lui il a quoi? On sait même pas ce qu'il a. Diagnostic supplémentaire. On nous rapporte la présence de nouvelles maladies en ville. Elles seront probablement plus difficiles à diagnostiquer. On aurait peut-être besoin de construire de nouvelles salles de diagnostic. Si un docteur n'est pas certain du diagnostic, il enverra son patient effectuer un diagnostic plus approfondi. Eh ben, diagnostic général débloqué. On y va. On fait une nouvelle salle. Une nouvelle salle, là. Diagnostic général. Moi je vais te foutre ça là, moi. 3 par 3, c'est ça? Moi je te régale, quoi. Tu me dis, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ça m'a l'air étrange quand même. Faut des poubelles? La fenêtre des toilettes direct dans la salle de repos. Bah non, c'est vrai que putain, on a une fenêtre qui donne direct sur les chiottes. Oh merde, j'en avais pas pensé à ça. Alors, oh c'est ouf, j'ai un goût à chaque fois pour ce genre de choses. Alors une petite fenêtre, ça par contre il faut une petite fenêtre ici. Petite fenêtre. Vraiment que ça soit... Qu'on se sente bien. Petite plante, petite poube. Petit classeur. Parce que ça fait toujours bien d'avoir des classeurs. Allez, c'est bon. Celle-là, c'est fait. Diagnostic. Mais du coup, il nous faut un nouveau médecin. Le niveau de l'hôpital a augmenté. Ah bah, tu m'étonnes. On se donne en même temps. Et il me faut peut-être un nouveau médecin. S'il y a ça. C'est hyper complet. Oh, là, j'aime bien le jeu. Hein. Je pense que je vais m'amuser là-dessus. Allez, il me faut un nouveau médecin. Ah, oh, il va le cher, les cons. Ah, j'aurais dû prendre un débutant. Tu mets pas de fenêtre qui donne sur l'intérieur d'une salle de diagnostic, c'est glauque. Non, mais c'est des fenêtres en double par... En double plox. C'est un nouveau matériau qui permet de voir à l'extérieur, mais sans qu'on te voit à l'intérieur. Il faut quoi, là? Des infirmiers? Ah, c'est un infirmier. Ok, bien vu. Mais c'est qui, mon premier infirmier? Oh, mais il va le toucher cher, les infirmiers. Putain. Oh, y'a Lège. Coucou, Lège. Alors, Ben Parker, regarde. Il augmente le diag. Ouais, mais attendez, il me faut un infirmier ou un médecin, là, parce que moi je commence à être paumé, là. Oh, c'est pas mal, tu peux trier par les salaires et tout. Vachement bien, ça. Saint-Jean en mode sérieux ou le successeur? Non, vite teinté. Ah, vite teinté. Mais du coup, attendez, parce que là, j'ai pas suivi. L'hôpital doit atteindre le niveau 5 pour déverrouiller. C'est parti. Un infirmier qui coûte plus cher que le docteur. Bah ouais, c'est ça qui me fait un peu chier, moi. On est en pause, hein, quoi qu'il arrive, donc... C'est quand qu'il gagne du flouze? Mais je gagne, on se fait, regarde. Recette 21 000 balles. Juste, on a dû beaucoup dépenser, ça c'est normal, quoi. Salut Domingo, salut tout le monde. C'est comme Thème Hospital, c'est le même principe, ouais. Bon, alors, non mais eux, il est beaucoup... Forbes est beaucoup trop cher. Forbes est vraiment beaucoup, beaucoup trop cher, quoi. Diagnostic. Traitement aptitude. Oh, lui, il est en double diagnostic. Oh, je vais faire faillite. Je peux regarder dans la salle s'il faut un médecin ou un infirmier. Mais ils disent pas trop, quoi. Personnel infirmier. Pff, oh là là, mais toi, t'es vraiment le crack, quoi. Toi, s'il y a un crack ici, c'est toi, mec. Hein. J'ai envie de prendre Billy. Parce que il nous coûte que 10 000 de plus. Et il a quand même beaucoup plus de diagnostics. Et il va très vite. Billy, t'es avec nous. Demande plus d'argent. Ah oh bah. Suscite l'enthousiasme. Une vraie bombe. Oh ouais, chauffe moyen, lui. M argumenté. Ah non, lui, il nous avait déjà cassé les couilles. Fin ravageuse. Une vraie bombe. Pitre, n'y crois pas vraiment.
bourreau des cœurs, se met en colère lorsqu'il a faim. Ah mais on va foutre, c'est trop bien, on va foutre. Alors finalement je prends Lance, parce que, en fait Lance il a faim. Du coup ce que je vais foutre, et ça c'est un peu osé, tout le monde n'a pas voulu le faire, mais je vais foutre un petit distributeur d'Anka. Oh, bah ici, juste à la sortie de son bureau. Comme ça dès qu'il a faim, bam. Dès qu'il a faim, boum, il peut enchaîner. Pas mal ça, bien pensé. Alors, en agrandissant l'hôpital avec davantage de salles et de personnel, le niveau de l'hôpital augmentera. Très bien. Un hôpital plus grand attire davantage de patients, logique. Mais plus de patients signifie aussi des queues, et donc une attente plus longue. Il vaudrait mieux construire plusieurs exemplaires des salles les plus utilisées et embaucher davantage de personnel pour gérer les patients supplémentaires. Faites attention aux avertissements d'attente au-dessus des salles. Vous pouvez également passer la souris sur une salle pour mettre en surveillance les patients en attente pour celle-ci. Augmenter le niveau de l'hôpital en agrandissant l'hôpital avec davantage de salles et de personnel. Guérissez deux patients. Ah là, c'est bon là. Regarde, boum. Lui, il va bientôt être guéri. Lui, il est en train d'être guéri. Moi, je trouve que c'est bien, là. Tu vois, premier patient. Là, le deuxième patient, il va direct être guéri. Oh là là, ça arrive! Oh, ça arrive vite! Oh, ça... pour les occuper, je vais leur foutre plus de brochures. On sait jamais. Stop, pause. J'ai une idée. J'ai une idée un peu révolutionnaire. Oh là là. Là mec, honnêtement, t'es guidé. T'es guidé. C'est-à-dire que là, tu es guidé. À tout moment, tu peux prendre une petite brochure sur un côté. Là, c'est... Là, honnêtement, pour l'instant, c'est très bien. Celles-là sont peut-être en trop. Celles-là sont en trop. Je les vends. Oh, j'ai failli vendre Berg. Bon, est-ce que je fais des salles en plus ou pas? On va faire des salles en plus. C'est pas symétrique. Ah ouais, si, non. Là, j'avoue que... Ah bah ouais. Ah bah... Ah. C'est très bien. C'est très bien. Alors, est-ce qu'on a agrandi les salles ou pas? Parce que là, je suis niqué, j'ai de l'espace en moins, là. Ah, je fais de la merde, là. Là, ces salles-là, personne ne les atteindra jamais. Comment on va faire? Oh, j'ai fait n'importe, là. Lui, il branle rien, j'ai l'impression. C'est bon, faites passer... Faites tout passer là. Oula. Salle commune débloquée. Et on a beaucoup de salles là. Les toilettes on a fait. Salle commune. C'est quoi une salle commune? Diagnostic et guérit une variété de maladies. Comme une auberge de jeunesse mais en moins conviviale. J'ai envie de faire une salle énorme. J'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire ça. Alors c'est osé ce que je vais faire. Mais faites-moi confiance. Par avant. C'est osé mais... Mais je crois que c'est ce qui va faire la diff. On peut accueillir deux patients. Ah non mais ça fait bizarre de foutre une fenêtre sur... On va foutre une fenêtre là et une porte ici. Ah, je peux mettre qu'une porte. Oh l'arnaque, je peux mettre qu'une porte. On va déplacer là, attends. On fout ça. Oh, il y a des lits. Oh, ça part en couille. Ah, je crois que c'est en train de partir en couille. Casier. Oh, je suis en train de faire n'importe. Ça y est. Oh, ça a pas mis longtemps. Ah, ça a pas mis longtemps du tout, mais je suis en train de faire n'importe. Bienvenue, Duke Fun. Duke for Fun. Faut que je mette pause. Petite poube. Non, c'est pas pause que j'ai fait, là. Petite plante, faut des plantes. Oh, ça donne envie, hein. Comme ça, les patients voient les plantes. Les patients... Hop, le patient, il a une plante juste à côté. Oh, c'est beau. Il nous faut deux infirmiers là-dedans. Interrompez-vous. Oh, bah non. Là, on peut pas interrompre. Ça ressemble à rien. Eh, les gars, on est là pour brasser, nous. On est là pour enchaîner. Alors, une nouvelle maladie vient d'être découverte, pince. Alors, pince, une fois le patient atteint, il ne peut plus y échapper, touche de nombreuses statues vivantes ainsi que les preneurs de selfies. Oh merde. Ouais, ça c'est con ça. Eh, en vrai, c'est pas mal. Hein. Faut faire une salle beaucoup plus grande. Ça sert à rien, deux bureaux. Si, il y a deux infirmiers. Nouvelle maladie des plus étranges abattue, la tête d'ampoule. Nous avons besoin de nous occuper de nouveaux équipements coûteux pour s'en occuper. Continuez à agrandir votre hôpital pour débloquer la salle de traitement. Ah, mais j'agrandis, mais. Augmentez le niveau en agrandissant l'hôpital avec davantage de salles et de personnel. Ah, il me faut un docteur de plus là.
Mais c'est peut-être une erreur. C'est peut-être une erreur, cette salle. Salle commune, elle va peut-être nous valoir des merdes, là. Ah, j'en ai bien peur. Il faut un infirmier. On va embaucher un petit infirmier. Allez, Jake, demande plus d'argent. Ah ouais, mais lui, il me fait chier un peu, lui. Parce que Jacob va être bien. Parce que sinon, embaucher deux docteurs. Construisez une salle. Et il faut un autre truc de bureau généraliste. Oh, mais putain, mais c'est génial. Je m'éclate, là. Oh, je m'éclate, bureau généraliste. On le fout. Parce que là, ça commence à être loin, là-bas. Juste à... Ah, c'est nul, ça. Ah, c'est nul, ce que je suis en train de faire. Ah, c'est nul. On sait pas où foutre ça. On va foutre ça, là. On va faire 4 par 4. Non. Oh, j'ai pas un sens très logique des choses. 4 par 3. Parfait. Comme ça, ils entrent ici. Alors attends, faut lui faire quoi, lui ? Petite fenêtre, triple fenêtre. On est en triple fenêtre. Diagno facile. Je suis en full diagno facile, moi. Voilà, petit diagno facile. Hop, diagno facile, petite table d'examen. Petite plante quand même, petit extincteur, si jamais le mec se chauffe un peu trop, on le tue à base d'extincteur. Et là, classeur pour trier, bien sûr, tout le personnel qu'on a déjà soigné, et ça me semble parfait. Là, on a quelque chose, là. On a un nouveau bureau. Oh, on a une fois docteur. Oh putain ! Non ! Alors, il y a Jacob. Jacob, qu'est-ce qu'il dit ? Suscite l'enthousiasme. Né pour enseigner, fin ravageuse, ancien chef cuisinier à la télé. Mal apprise, une vraie bombe, très arrêtée dans ses opinions sur les polices d'écriture. Ah, donc elle s'est les couilles, elle. Mais après, elle est quand même plus forte que Jacob, elle a une étoile de plus. J'ai pas fait la bonne salle. J'ai fait une salle de diagnostic. Oh le con. Valeur de la salle, 7000. Oh, on vend tout. Vendez, on a rien vu. Bureau de généraliste. On fait exactement la même chose. Une petite porte. Je me disais, c'est bizarre, il n'y a pas de bureau. Alors que là, regardez un peu comment il est bien, là. Petite fenêtre, quand même. Petit classeur, petite plante. Lui, il aime beaucoup les plantes. Lui, il va être très plante et très extincteur. Et petite poube. La poube, il va se la mettre juste là. $ Il y a $ Ok, ça, c'est que ça collait pas. Bah c'est bon, on est bien. Petite fenêtre ici, on se la rajoute. Parfait. Vas-y, envoie. Super. Alors là, il me faut un docteur maintenant. On embauche le docteur. Oh, je vais prendre Jacob. Parce que c'est un docteur junior. Elle est quoi? Elle est docteur quand même. Oh, et elle est bientôt niveau 4. Jacob, il se branle. Oh, je prends le plus cher. Oh, je suis un con. Le généraliste, faut pas de lit de consultation. Le généraliste, c'est ça, c'est classique. Eh ben là, on est bien, hein. C'est bon, on peut partir, hein. Ah, il y a beaucoup d'espace, quand même. On sent qu'il y a peut-être un peu trop d'espace. C'est peut-être le seul souci. J'embauche un infirmier. J'embauche Jake. Ah non, il demande de l'argent, lui. C'est vrai, il est chiant, lui. J'aime pas, lui. Ah, mais ils demandent tous plus d'argent, les infirmiers, putain. Parce que là, ils commencent à être nombreux, les patients. Regardez un peu, là, ça traite bien. Personne va au repos. Ici, ça cachine. Gagner $15,000. Parfait. Regarde, lui, il s'assoit. Rendez-vous, bureau de généraliste. Ah non, vas-y, va là-bas. Pourquoi tu... Ah, parce qu'il y en a déjà un qui est parti là-bas. Ah, je l'ai mis un peu loin, quand même. Oh putain, il n'y a personne pour l'instant dans l'hôpital. Accident, ici. Il y a des accidents. Pourquoi il m'aime pas? Oh, petit message. Nouvelle maladie, rabat-joie. Peur chronique de s'amuser en raison d'un balai mal placé. Oh, c'est pas mal, ce jeu. Il nous reste $8,000. Les patients meurent en allant au fond. Ah bah ouais, le temps qu'ils y aillent, ils crèvent, en fait. Oh, deuxième consultation pour lui. Si, ça rentre, là. On commence à faire du chiffre. Il nous faut un infirmier. Je pense... Oh, il y a un infirmier plus. Marvin, possède un toucher guérisseur. Je partirai sans vous pour une blague. Améliore la santé des patients. Oh bah parfait, je l'embauche. On a plus de thunes. Tiens, mets-toi là, toi. On sait pas trop ce que tu dois faire, mais tu te mets là. Lui, il fait pas grand-chose non plus, rien. Ça attend, là! Rendez-vous, pharmacie. Statut fait la queue. Il nous faut une deuxième pharmacie. Tout le monde attend pour la pharmacie. C'est le vrai souci.
Pourquoi personne... Stop, pourquoi personne ne branle rien, là? Pourquoi personne ne branle rien? Pourquoi ils attendent, eux? Attendez, je me pose. Rendez-vous bureau de généraliste. Mais il y en a un là-bas, hein. Mais elle ne branle rien pendant ce temps? Envoyez un traitement. Travail difficile vient d'être découvert. Oh, je l'ai envoyé en traitement, moi. Tata maintenance qui répare la machine. Oh, mais du coup, est-ce qu'il faudrait pas... Ici, tu vois? Comment on rajoute les éléments spéciaux de... Oh merde! On va continuer. Oh, j'avais pas prévu ce bouton. Option. Ah ouais, j'avais pas prévu ce bouton. Bah ouais, il faut une nouvelle machine. Nouvelle machine, les gars. On gagne pas de thunes hein, dans cet hôpital, ils attendent tous. Allez, bouge-toi, toi. C'est bon, le mélangeur de médicaments est prêt. Allez, allez, on recharbonne, là. Lui, il va aller là. Oh ouais, ils viennent. Et vous faites quoi? Mais... Ah bah, ils vont direct dans leur truc. Regarde, ils sont hyper matures. C'est des chiottes ou quoi? Ah non, juste, ils se posent. Ah, ils se posent, ils font leur vie, hein. Ah, lui, il vient l'accueillir. Regarde, amène-le sur le lit. Ah non, juste, il vient sentir la plante. Pourquoi ils ont pas fait les deux, là, ici? Oh, mais du coup, il y a deux lits. Oh, c'est parfait! On avait pensé à tout. Lui, il est en train de faire tourner la roue. Il y a juste lui qui est un peu loin. Modifier. Est-ce que, genre, je peux... Ah ouais, non, modifier, ça va être chaud. On peut pas tout décaler. On interrompt la modification, c'est pas grave. Nouvelle maladie qui vient d'être découverte, c'est réveil difficile. Ça, on avait, ça. Eh, ça tourne bien. Demande plus d'argent. C'est bon, on a validé le défi. Clinique super luxe débloquée. Qu'est-ce que c'est que ça? Clinique super luxe. Guérit les patients atteints de tête d'ampoule. Ah, on est en négatif. Les gars, on est en négatif. Est-ce qu'ils vont bien? Est-ce qu'il y a un truc pour voir les personnels? Le personnel, juste ici. Utiliser la liste du personnel des patients de maladie pour surveiller et gérer. Ah bah ouais, c'est ça qu'il faut faire, là. Je l'ai pas fait encore. Personnel. Énergie, bah voilà, là, on va pouvoir voir. Geoffrey, c'est qui, Geoffrey? C'est lui, c'est le mec du début. Geoffrey, part en repos, un peu. Comment on le fait aller en repos? Virer, attraper, faire une pause, négocier le salaire. Fais une petite pause. Fais une petite pause, Geoffrey, parce qu'il va plus être dedans. La planque bloque l'entrée du lit. Je pense. Voilà, parfait. Parfait. Tout ce qu'on aime. Alors, pas celle-ci. Laquelle? L'entrée du lit. Ah, celle-là! Ah, du coup, il peut pas se faire soigner? Ici, parfait, voilà. Eh, chaque chose en son temps. Alors, liste des patients. Alors, lui, ah, il est zéro diagnostiqué. Il y a réveil difficile, il y a rabat-joie, guérison totale, rendez-vous salle commune. Alors, ils ont plein de rendez-vous, les mecs. Hein. Et montre les maladies qu'on a. Ah, oh, pour l'instant, il y a pas mal de maladies. Hein. Ah, il y a pas mal de maladies. Hein. On écoute Marake Ganja, hein, si jamais vous vous posez la question. Guérison, hein, on guérit bien ça. Mais est-ce qu'il faut faire une clinique super luxe, du coup? Et toi, de l'hôpital? Le ministère de la Santé de Two Point County. Toujours ravi de reconnaître le mérite des hôpitaux qui font leurs preuves. Si nous arrivons à satisfaire les besoins d'une zone en particulier, l'hôpital sera récompensé par une étoile. Ces étoiles sont importantes pour notre organisation. Chaque étoile est associée à des récompenses, mais elles permettent également d'établir de nouveaux hôpitaux à travers Two Point County. Continuez à agrandir votre hôpital pour obtenir une étoile. Oh bah je vais faire une super salle, moi. Oh, je vais faire une super salle. Je pense qu'il manque un truc. C'est le distributeur de soda. Genre ici. C'est nul ici. Vous osiez pas me le dire. Je comprends. Parce que c'est vrai que de l'extérieur, ça pouvait sembler coup de génie. Mais là, on change tout, là. Oh, c'est beau, c'est beau. Cette plante. Pourquoi elle est là, cette plante? Faut qu'elle soit là, cette plante. Entre deux distributeurs. Parce que c'est le but, avant tout. Les faire attendre pour qu'ils achètent. Parce que nous, notre but n'est pas forcément de soigner, nous. Ah, le monde capitaliste. Hein. Ah ouais, ça... A priori, tu peux déplacer une salle complète. Oh, et Kizuke, merci pour le resub. Wesh, l'émission avec Pampan sur énergie, très moyenne, franchement. Avec Pampan? Qui est Pampan? Non, mais comment, du coup, tu... Attends, juste, j'essaye de... Attendez, parce que... Là, tu retires la salle, là, tu ajoutes à la salle. On va interrompre la modification. On déplacera plus tard.
Bon, on continue. Il nous faut peut-être le truc pour les têtes d'ampoule, là. Si jamais il y a un médecin qui vient avec une tête d'ampoule, on va pas savoir quoi faire. Peut-être que... Ah, on peut foutre qu'un mélangeur de médicaments par... Ça, c'est con, ça. On va foutre une deuxième plante, du coup. Parfait. Bon, c'est bon. Est-ce qu'ils sont personnel? Est-ce qu'ils sont un peu mieux? Ah non, Geoffrey, il est toujours pas là. Geoffrey, il se branle, toujours. Geoffrey, je lui dis de partir un peu. Ah non, c'est Avarok, du coup. Mais va en pause, toi. Comment on fait pour qu'il aille attraper? Ouais, voilà, toi. Bon. Hop, tu te fous dans la salle de repos. Ah, on peut les attraper, on peut les attraper. Attendez, on fait full bif, là. Graisser trois patients qui ont tête d'ampoule. Parfait. Donc, du coup, il nous faut une clinique super luxe. Ah, mais là, je vais bloquer de l'espace. Oh, la clinique super luxe. Oh, elle est osée. Oh, cette clinique super luxe, elle est osée. Oh, elle est osée. Ah, je pense qu'on se rend compte qu'on n'a pas bien fait. On a mal géré des trucs. Le terminal. Bah, on va le foutre là, quoi. Ah ouais, on a mal géré des trucs, là. On s'en rendait peut-être pas compte au début. Mais là, sur cette clinique super luxe, on se dit que... Ouais, un peu de la merde, là. Ah, vous savez, je le prends pas mal, hein. On va lui faire une porte sur les chiottes. Comme ça, c'est toujours un peu d'air. Ça fait toujours du bien. Un peu de plantes, un peu de plantes. Un peu de plantes. Parfait. Parfait. Là, on est bien. Alors, du coup, il faut quoi dans ces salles? Il faut un docteur. Alors, on va embaucher. Alors, qu'est-ce qu'on peut embaucher, docteur? Il y a peu d'assistants, hein. Ils font quoi, les assistants? Qu'est-ce qu'ils foutent dans leur life, les assistants? Qui est assistant chez moi? C'est qui, les assistants, là? Montrez-vous, là. C'est lui, Bertil, hein? Ah non, c'est les réceptionnistes. Mais regarde, ils lisent, regarde un peu. Ouais, réceptionniste. Oh, on s'en fout, en fait. On a pas besoin de ça, non. Ça fait suite parentale, ouais, un peu. Là, il me faut quoi? Il me faut un docteur, hein, pour la clinique super luxe. Ah, on va pas prendre très cher, parce qu'on a plus de thunes. Traitement, aptitude. Né pour enseigner, a été élevé dans une ferme. Tout ce qu'on aime. Dahlia, t'es là. Parfait. Nouveau personnel, on va pouvoir faire... Ok. Il faut trois personnes qui ont tête d'ampoule. Est-ce qu'on a des patients avec tête d'ampoule, pour l'instant? Patients... Ah, ils sont pas encore diagnostiqués, hein. Ah, c'est mal foutu! Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il se pose des questions? Plein d'énergie. Ok, va taffer! Je te fous là, toi. C'est bon, t'y retournes, là. Ça m'a l'air bien, hein. C'est la crise. Non, c'est bien. Bonne nouvelle, vous avez guéri 10 patients en total. Chaque guérison augmente notre réputation. Mais c'est super, ça. Tête d'ampoule! Il y a tête d'ampoule! Le premier patient tête d'ampoule, regardez-le. Comment on va le soigner, lui? Oh! Mais on lui en met une nouvelle? Oh, il a plus de tête. Et on le redépose. Trop marrant ce jeu, putain. Et 8000 balles! Oh, ça paye les têtes d'ampoule. On va en prendre plus souvent. 3 patients têtes d'ampoule, ok, parfait. Eh, vous diagnostiquez, les gars, on diagnostique, on y va là! On se sort les doigts! Oh, attends, ça tempo de ouf ici. Ici, ça tempo de ouf. Il me faudrait. Je pense qu'il faut un nouvel infirmier. Nouvel infirmier. Et on a besoin d'un infirmier. Infirmier en plus. Juste un mec qui fasse le taf. Gérald. Ah, Gérald a quand même l'air glaucose. Hein. Charmant, travaille lentement pour avoir l'air occupé. Oh, Gérald, on n'a pas envie de toi. Infirmier junior. Demande plus d'argent. Pense que le masse-pain est toxique. Le masse-pain? Ah, que j'ai pas de. J'ai pas trop d'avis sur le masse-pain, moi, mais. Pour 6000 balles, honnêtement. Juste. Ah, oh, Gérald. Non, infirmier junior, on va prendre lui. Parfait, comme ça là on va pouvoir enchaîner. C'est moi qu'on va pouvoir enchaîner. Mais il se barre du coup. Je cherche du travail. Bah non, c'est pour ça que j'ai fait 2 bureaux. Il est content. Ah mais on peut faire que... Ils cherchent tous du taf les mecs avec moi. Infirmière en chef. Elle vaut 33 000 balles par an, elle branle rien. Ils branlent tous rien avec moi. Oh là là, attends, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va même pas le voir, il branle rien! Il branle rien du tout! Oh ouais, je vais vendre ça. Hein. Là, on a fait n'imp, là. Attendez, on va modifier. On va foutre un lit de plus. On refait toute l'architecture. Attendez, je refais toute l'architecture, vous allez voir, c'est... Encore une fois, ça peut peut-être paraître un peu impressionnant. Si
si vous avez jamais bossé dans le design ou autre. J'imagine que vous devez vous dire, putain, c'est une claque. Le Corbusier, tout ça. Oh ! Oh, j'ai compris comment faire ! Oh, ça va nous changer la life. Il faut deux salles, en fait. Il faut les séparer en deux, en fait. Oh ouais, il faut... Alors, comment on... Ça nous fait chier, les plantes. Les plantes nous font chier, je vous le dis. Voilà, salle commune, prestige 3. Oh si, là, ça pourrait être bien de foutre un lit, là. Inatteignable. Parce qu'il y a quelqu'un dessus, là. S'il n'y avait pas quelqu'un dessus, on était bon, non? Devant la salle, faisant deux. Ouais, je pense, hein. J'hésite à faire ça, hein. On va faire ça, je pense, hein. Parce qu'on peut pas... Attends, arrête, tu m'énerves. Voilà, je vends. Je vais vendre pour 10 000 balles. Alors, c'était quoi? C'était salle commune? C'était quoi? C'est diagnostic général? Non, diagnostic général, c'est ça. Je pense que c'est salle commune. Je pense que c'est salle commune, on va en faire deux petites. Attends. 3 sur 6. Donc si, on peut faire 3 de... Bah non, stop. Eh, qu'est-ce qui se passe, là? Non, mais c'est bon. Ah non, parce qu'elle a un minimum. Ah, elle a un minimum, la salle à faire. Oh, faut qu'elle fasse minimum ça. Pourquoi tu fais pas une plus grande avec plus de lits, genre 6-7? Salle commune, fait une grande. On fait une très grande? Ok, ça me va. On est parti. Salle commune. Une giga salle commune. Ouais, mais le souci, en fait, une salle commune, c'est fait pour être grande. Ils peuvent pas taffer s'ils sont... Ils peuvent pas taffer s'ils sont trop dedans. Tu vois ce que je veux dire? Je fais comme ça. Hein. Parfait. Alors, ils vont rentrer comme ça. Un petit bureau ici. Là. Tu peux augmenter le nombre de personnel. Ok, d'accord. Parce que tout à l'heure, j'avais foutu deux bureaux et ils se sont barrés. Alors, où est-ce qu'on va foutre ça? Là, c'est le diagnostic. Là, on se dit que c'est le diagnostic. Non, les lits, on les met comme ça, comme ça. Ça, c'est énervant, hein. Mais bon. Oh là là! Oh là, la salle commune, quoi! Aïe, aïe, aïe! Ça, les gars, c'est de la salle commune, hein. Je sais pas si vous avez eu la chance d'en voir beaucoup de salles communes, vous, dans vos vies, mais... Petite poubelle ici, et là, on leur met full plantes, parce que c'est archi important, les plantes. Pour le bien-être de tout le monde. Ça va créer du... Parfait, petite fenêtre, parce que bien sûr, il faut pouvoir voir un peu dehors. Sinon, on n'ira pas bien. Les lits sont trop proches. Le rouge, c'est pas bon. Ah ouais, le rouge fait que ça ne marche pas. Ah bah, eux, ils sont heureux, pourtant. Ah ouais, c'est de la merde, ce que je fais. J'ai du temps à comprendre, quand même, hein. Parfait, non? C'est très bien, là. Une petite poubelle. Une petite poubelle. Parfait, là. Oh là là, plante entre les lits. Non, non, des poubelles entre les lits. On les connaît, hein. Pourquoi avoir laissé un trou entre les deux salles? Ça servira. J'ai un plan. Petit extincteur. Et si jamais ils veulent jouer, je leur mets un extincteur, là. Au cas où. Oh, j'ai trouvé ça bien, là. Tu mets une fenêtre et une plante devant le lit. Ah ouais. On peut voir dehors comme ça. Regarde. Oh là, je les régale. Oh non, là par contre. Eh, regarde, il y a même quelqu'un qui est en l'air. Regarde comment ça s'ambiance. Regarde comment ça s'ambiance dans la salle commune. Oh là, c'est bio. C'est beau. C'est beau, c'est bio. Alors, nouvelle maladie, tête d'ampoule. Ça, on a eu ça. Au moyen de cure-doche. On va obtenir des cure-doche. Parfait. Et entrez dedans. Clique sur le bio européen. Mais du coup, il n'y en a qu'un qui peut être dedans. Il faut combien de... Parce que oui, il se branle toujours. Hein. Oh non, je veux pas l'augmenter, t'es fou.
Comment je lui dis de attraper? Tu vas là, toi. Voilà, là, tu t'occupes des gens. Toi, là, qu'est-ce que tu fous, toi? Là-dedans, toi. Voilà. Non, ils se barrent, tu vois. Ils se barrent tous. Personnel supplémentaire. Parfait. J'ai mis 3. Comme ça, ils peuvent être full dedans. C'est bon. En fait, à chaque fois, tu peux augmenter le nombre de personnel. Ok, j'ai compris. Mais du coup, il n'y a plus rien ici. Là, il y a besoin d'infirmiers. Attends. Je t'attrape, je te fous là-dedans, toi. Ok, parfait. Bah non, sois pas conne. Putain, je galère. Infirmier nécessaire. Mais t'es infirmière, toi. C'est tout ce qu'elle est. Infirmière en chef. Ah, parce que du coup, j'ai mis qu'il devait être là, c'est ça? C'est pour ça. Ah, c'est pour ça. There's nothing like a bub. And now, bub soda comes in three new flavors. Allez, fous-toi là. On part sur un décès. Et un mort. Il y a eu un mort? Ça va être difficile. Non, personne n'est mort. On a eu aucun mort. On a eu un décès de tête d'ampoule. On n'a pas réussi à soigner une tête d'ampoule. Ils sont tous en coma. Savez-vous, le personnel fera une pause parce que son énergie est basse. Parce qu'il n'y a pas trop de membres de ce type déjà en pause. Mais tu vois, personne veut aller dans celle-là, là. Tant qu'il n'y a pas de besoin dans la salle, ils feront autre chose pour s'occuper. Ah, ok, d'accord. Alors, une nouvelle tête d'ampoule. Eh, on est en profit. On a gagné 2000 balles cette semaine-là. Allez-y, il faut bien s'en occuper de lui. Hein. Lui, il est en full agent de sécu, là, c'est bien. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne à l'accueil. Il est parti acheter à bouffer, le con. Soif, infatigable. Ah, montre-nous vraiment que t'es infatigable. Parce que là, il manque quelqu'un, là. La réputation de l'hôpital est désormais bonne. On peut le soigner, lui, là-bas, là? Pas qu'il meure, hein. Il se repose. Les infirmiers ne font pas les diagnostics. Ah, mais il y a marqué infirmier nécessaire. Est-ce que je prends une autre personne? Parce que lui, il va aller se reposer. Oh, parfait, salut. Super. Ça, c'est génial. Lui, ça, c'est un client. Tête d'ampoule, sont les sorties. Hein. Donc là, les mecs font diagnostic. Là, ici, il y a des gens. Ok, ça commence à tourner. Hein. Honnêtement, ça commence à tourner, là. Hein. Là, je pense qu'on est capable de recevoir beaucoup plus de gens. On est capable d'enchaîner, là. Hein. Promotion du personnel. Alors, Bob Larder attend une promotion de agent de maintenance stagiaire à agent de maintenance junior. La promotion de agent de maintenance stagiaire à agent de maintenance junior procurera un emplacement de formation, vitesse de déplacement. Salaire actuel. Alors, il gagne 1500 balles. Et il va nous faire adapter 20%. Bah, vas-y, gros. Moi, je te... Ah ouais, pour qu'il soit content, faut quand même... Allez, tiens. Patient décédé. Mauvaise nouvelle, nous venons d'avoir notre premier mort. Les patients peuvent mourir si leur traitement échoue ou s'ils attendent trop longtemps et que leur synthèse détériore. Non, parce qu'on a eu des soucis aussi. Hein. On était en train de refaire tout l'hôtel, tout l'hôpital. Med. Ah, chair de poule. Maladie de peau dégoûtante causée par des toilettes sales. Peut être guéri par un mélange de couteaux de médecine préparé avec soin. Ok. Voilà, moi, je me sens bien. Qu'est-ce qu'on a amélioré là? Qu'est-ce qu'on a? Recrute. Faut mettre 2 réceptions. On fout 2 réceptions? C'était peut-être une mauvaise idée, là, les brochures. Hein. Ça fait un peu parc touristique. Et il me faut une tête d'ampoule, là. Ça serait bien d'avoir une tête d'ampoule. Personnel, Bob Larder. Bob, fais une pause. Repose-toi un peu. Bob va se reposer. Marvin, repose-toi un peu. Et Ava, c'est qui? Ava, elle est en full charbon. Repose-toi aussi. Comme ça, c'est bon. Là, on est bien, là. Oh, nouveau client. Tête d'ampoule! Une tête d'ampoule! Maladie grave. Maladie grave qu'on soigne ici dans notre hôpital. Depuis peu de temps, mais on le soigne. J'ai pas couru au jeune en bombe. Et en bombe. Ah, Je pense qu'une double réception peut être pas mal, là, maintenant. Attends, juste, on va le... Ah, mais il va devoir attendre. Il va devoir se faire diagnostiquer. Eh, 18 000 de profit. On commence à faire full thune. J'ai fait le truc parfait. I went to a holistics nature commune last week to see what they could do about my gravy allergy. Il est où, tête d'ampoule? Ah, il attend. Bureau généraliste. Vas-y, mettez-le bien là. C'est bien. Double pharmacie, vous pensez? Oh, on a mal optimisé l'espace. Hein. L'espace est mal optimisé. Hein. Faut qu'on refasse tout. Hein. Parfait, il est diagnostiqué. Les bancs servent à rien. Ouais, là on est en... Moi je pense que là, ici, on a merdé un peu.
réfléchis à comment faire ça. Deux secondes. Sous les réceptions. Ah, réception. Oh là là. Oh. Oh. Ah ouais, non, ça dépasse. J'ai pas envie que ça dépasse quand même. Voilà. Oh là là. Non, c'est pas là. Hein. Voilà. Sans vent. C'est bon. Eh là, on est bien. Là, ça a de la gueule. Là, honnêtement, moi, je vous le dis, t'arrives, tu vois ça. Tu te dis, je suis quand même pas mal, quoi. On va foutre des plantes. Parce que je pense que ça doit faire du bien à la santé mentale des gens. Je sais pas trop comment ça marche. Petite plante à droite, là. Voilà, les gens qui... Oh là là, petit extincteur. On va rajouter des extincteurs. Parce que ça coûte rien. Et c'est bien. Eh, je suis en vigilance max là. Mêlée face à face ou dos à dos. Ou alors sinon. Oh là là. Non, c'est particulièrement nul ça en fait. C'est particulièrement nul comme ça. Non, c'est particulièrement nul. Parce que sinon, là au moins les gens peuvent passer sur les côtés. C'est pour ça que ça faut le bouger comme ça. Comme ça, tu vois, tu prends, boum, c'est comme le cinéma. C'est comme le cinéma. Eh, coûte pas cher elle. 50% aptitude de la clientèle. 6300 balles, une vraie bombe. Franchement, boum, toi t'es hop. On est reparti. Bon alors là il nous faut juste qu'on soigne. Laisse un passage entre les deux. Non sinon on peut plus. Sinon c'est... Ah, c'est bon, ça va saouler comme ça. Ils peuvent bien passer sur les côtés là. Tu vois, il y a un vrai passage ici. Hein. Ah, le petit banc là. Le petit banc a tendance à me gêner un peu quand même. Ah bon, moi je l'ai vendu. Ah c'était con quand même. Parce que le petit banc je l'aimais bien. Je sais que le petit banc on l'aimait quoi. Vous avez guéri 20 patients en total. Numéro 1. Private. Qu'est-ce qui se passe? Cher directeur d'étoile, hôpital 1 étoile. Félicitations, le ministère de la Santé de Tupoin Kunti a attribué 1 étoile à votre hôpital. 1 sur 3 possible, c'est déjà ça. J'ai repêché votre dossier dans la poubelle, on va pouvoir célébrer ça. Vous pouvez continuer de développer votre entreprise, cela vous vaudra louange et récompense futile si vous vous en croyez capable. Vous pouvez aussi vous étendre votre organisation en ouvrant un nouvel hôpital. Ce qu'on appelle quoi avant de savoir marcher? C'est vous qui voyez. Foxbridge. Ah mais c'est genre... Est-ce que c'est genre Overcooked et j'ai fait une étoile là? Est-ce que je veux dire? In today's headlines, lottery winner Arthur Compass has announced winning the jackpot. Faut passer l'hôpital niveau 6. En gros tu stops et tu as une étoile. He made this announcement floating du coup, je dois aller ailleurs là? In his new gold-plated hovercraft. Je vais être... Just like he's always done. Je m'en vais de ça? Ah, je mets un petit poster tête d'ampoule quand même. Ah, quand même, il faut se régaler quoi. Ah, attends. Je change juste un petit truc. Je vais mettre un petit banc. Ici, comme ça. Petit banc là aussi. Parfait. Et là ça tourne hein. Là honnêtement ça tourne bien. Soit tu... Non t'es pas obligé, tu peux le faire à 100%. Mais c'est quoi? Parce qu'en fait c'est des missions. Parce qu'en fait on joue pas une seule game. Tu mets le niveau de messagerie à la place des bancs et tu fais une deuxième pharmacie à côté. Ah non là c'est bon, j'ai organisé là. Regardez on fait trop de sous. Tu peux débloquer des choses de toi-même. Alors on guérit des patients mais à gogo là. Regardez ça n'arrête jamais. Les mecs ne stoppent jamais, j'avoue qu'une deuxième pharmacie pourrait être bien. Bah, si je la fais là, c'est loin quoi. C'est comme Overcooked mais avec un hôpital. Ok. Attendez, je rajoute juste un truc.
Oh, c'est mal foutu quand même. C'est pas très bien fait mon hôpital. Oh, j'ai pas trop de goût, hein, j'ai l'impression. Mélangeur de médicaments. On veut un mélangeur de médicaments. On fout une deuxième pharmacie. Parce qu'on n'a jamais suffisamment. Jamais suffisamment de poubelles. Jamais suffisamment de plantes. Il y a pas besoin de... Il y a besoin de rien là. Ça apporte quoi ça? Augmente l'attrait de l'hôpital et le prestige de la salle. Super, je te fous là. Je te fous ça moi alors. Tu me dis hein. T'as juste à me dire. Parfait. Allez, on est bien. Ils se touchent dans la salle commune. C'est là qu'ils se touchent hein. Tiens toi, voilà un peu là. Non après, ils sont quand même souvent là-dedans. Ils sont quand même souvent là. Hein. On va voir, on aura peut-être besoin de quelqu'un en plus. 6000, on n'a pas fait tant que ça là. Je sens que lui il se repose tout le temps lui. Et le docteur là, vas-y, vas-y, je sens que tu te reposes un peu trop toi. On commence à faire beaucoup ça là. Ah ouais. Ah il va pisser lui. Ah y a pas besoin de pharmacie hein. Tableau tête d'ampoule, j'imagine tu vas au service cancérologie, t'as des cancéreux affichés sur les murs. Ouais mais ils ont dit que ça c'était la réputation de l'hôpital. Un Béclair ça marche comme ça hein. Béclair, Necker. Béclair. Necker. Il y a un autre hôpital. Est-ce que le jeu existe sur mobile? Non, j'adore les 40 bancs pour 3 patients. Bah on prévoit. Tu vois on est plus dans la prévoyance que dans... Non mais je soigne hein. En vrai on a un taux de soins qui est quand même assez élevé hein. Lui il est en train de se laver les mains, Necker. Ah ouais mais Béclair c'est un truc. Je suis né dans le 14ème, deux toilettes. Ouais, non, de niveau toilette on est bien. Lui il va là, juste elle sert à rien, la deuxième pharmacie était useless. Prévoyance ou prévention, on sait plus parler. C'est quand que j'ai plus de patients. Je trouve que j'ai pas beaucoup de patients là. Ah, il y a 3 patients ici quand même. Hein. Ouais, ça charbonne ici. Hein. Ici, honnêtement, ça charbonne quoi. Là, il se passe rien. Il se passe rien du tout là. On est quand même en charbon là. J'aimerais bien passer niveau 6, mais du coup, niveau 6, faut juste faire des nouveaux trucs quoi. La nature, tout ça, tout ça. Mets des plantes. Je remets des plantes, Gaston, tu penses? Moi, j'ai jamais vu autant de plantes. Hein. Je vous le dis, j'ai jamais vu autant de plantes dans un hôpital. Hein. Ah, je suis à Truffaut, là, quoi. Ah, vraiment, on est à Truffaut, quoi. Alors là, il y a un stade avancé de... Bilan annuel. Oh, on est en négatif, là. Promise des prix du Two Point Company. Oh. Poule vert. Ouvrir. Qui a gagné? Burt, médecin de l'année. Ah non, Geoffrey Quitaine. Il a gagné 5000 balles. Oh, Geoffrey Quitaine, bravo. Infirmier de l'année, c'est qui? Ouvre, ouvre, ouvre. Edna Waiter. Ah bah elle nous coûte une blinde elle je crois en plus. Agent de maintenance de l'année. Bon retour, retour, parce que sinon on va se faire chier là. Alors, employé de l'année. Ah bah on voit plus qui c'est du coup. Hôpital le plus prestigieux. Oh putain le meilleur cadre d'hôpitaux. Faut être tout le temps vert. Mais où est-ce que tu vois le vert toi de... Je te fous plus de plantes hein si... Ah là. Ok d'accord je vois. Ok, je vois. Là, par exemple, une petite plante fera du bien, quoi. Je vois. Petite plante dans les chiottes. Petite plante dans les chiottes. Petite plante ici. La petite plante ici. C'est cadeau. C'est tout ce qu'on aime. Tu peux accélérer le temps. Ok. Non, mais du coup, en fait, est-ce que pour passer niveau 6, il faut juste créer une salle de plus, quoi? Salle bail? Qu'est-ce qu'on aurait besoin? Pharmacie, on a bien. Tête d'ampoule, on a bien. Limite que ça diagnostique plus vite quoi. Un docteur et que... Poubelle à la réception. Petite poube. Petite poube. Petite poube.
plante devant le canapé. Ouais, je plante. Merde, je l'ai vendu. Non, là, on est tout vert, là. Je l'en remets un. Je t'en fous un là-bas. Oh putain, je suis vert partout, quoi. Là, peut-être. Non, là, c'est trop après. 49 000 balles, on a gagné. Oh, ça devient incroyable. Non, parce que ça diagnostique bien. Là, je pense que. Je pense qu'honnêtement, il n'y a plus grand chose à. Bah. Quoi? Pourquoi il y a ce bruit? Eat some briny brittle. Il y a eu un bruit genre... Bon, je vais construire un nouveau truc. Et comme ça, on passe à la suite. Je construis des chiottes. Hein, dans ce petit coin là. C'est incroyable, c'est quand même un architecte. Je suis quand même un architecte très très nul quoi. C'est-à-dire que, en termes d'architecte, il y en a qui sont nuls. Alors moi, je fous une porte là. Hop. Toilette. Petit lavabo, petit sèche-main, et comme d'hab, petite plante. Double plante. Boum. On est niveau 6. Urgence dans la salle commune. Une épidémie de maladie nécessite du repos, c'est déclenché lorsque tout point plus un article de supposition de sommeil. Guérissez 5 patients souffrant de réveil difficile. Durée limitée à 90 jours. Oh, mais ça, on sait faire ça. Y'a des plantes partout. Ah non, mais là, les plantes sont. Il y a 5 patients de réveil difficile. Mais réveil difficile, est-ce qu'on a déjà fait? Oh! On est en flou, réveil difficile. Ça se pose. Vas-y, on fait oui. Guérison 5. Comment on guérit le réveil difficile déjà? Dans maladie. Réveil difficile. Salle commune. Taux de guérison. Inefficace. Oh non, on est super, hein. Honnêtement, sur les réveils difficiles, normalement, on a aucun souci. Hein. Bah, nickel, du coup. Oh, là, c'est... Patient pour salle commune. Oh, non, là... Oh, regarde, ils arrivent full. Qu'est-ce qu'ils ont, eux? Oh, non, mais eux, c'est des problèmes. Eux, c'est des problèmes qui arrivent. Il est mort, lui? Pourquoi il a ça lui? Les chances de... à l'agonie, les chances de réussite étaient 75%. Aptitude du personnel. Il nous faut des infirmiers. Il nous faut des gens. Ah bah on a des soucis, soignez-nous. Ils arrivent tous en... Attends, je suis en train de diriger un hôpital là, je te rappelle Pierre, 2 secondes, parce que là il y a une épidémie. Alors, une épidémie on m'appelle, les mecs, vous rendez pas compte ou quoi là? M'appelez pas quand je suis en pleine épidémie quoi. Assistant, non, il nous faut des infirmiers là je pense. Hein. Ah mais c'est que des infirmiers, c'est que des branques là. On a que des branques. Y'a personne qui est capable de relever le... Ah, oh, ça me gratte. Merci à Windak pour le 2e mois de sub. Oh putain, épidémie, je crois que je suis touché, les gars. Je vous le dis. Parce que la pharmacie ne sert à rien. Et il y a un moment, regardez le personnel un peu, ils sont pas bien, ils sont tous infirmiers. Il nous faut des infirmiers. Même pas très cher, c'est pas grave. Il nous faut de l'infirmier de merde. Bonheur 10%. Je travaille plus longtemps. Avant d'avoir besoin d'une pause. Sans intérêt aucun. Parfait. Tout ce qu'on aime. Je te mets un deuxième personne avec toi. Parfait, ça continue. Eh, on a 200 000 balles là. Ah, lui il est mort, lui je crois. Il est mort. Il est tombé. Qui needs water? Il faut peut-être des petites. Il faut peut-être des petits jeux. Il nous faut des petits jeux. Distributeur de soda, parfait. Parfait quand t'es en train de die ça. Un petit coca là. Touillez bien. Dès qu'il n'y a plus de bulles, ça vous soignera. Distributeur d'Anka. Parfait là, sublime. Là on est bien. Petite poubelle du coup à côté. Petite poubelle bien sûr, parce que voilà, pas de déchets. Là je l'aimais bien. Il est dead avant l'entrée. Ah ouais, non, il est. Mais je les soigne pas en fait. J'ai l'impression que je les soigne pas. J'ai l'impression que je ne soigne personne. Je suis en train de tuer des gens. Ils ont tous réveil difficile, putain. Le docteur conseille d'utiliser un rapporteur de lit afin de vérifier l'angle du sommeil. Si tu as pas soigné tous les patients, tu échoues. Ah, mais comment je les soigne? Parce que là, j'ai l'impression que c'est quand même... relativement clean, quoi. Il y a un médecin, il se branle. Oh, guéri 1! Ils vont sortir, là! Ils sont tous en train d'être soignés. Guéri 2! Ah, oh, bah lui, il est mort. Oh non, un mort de plus. Échec du traitement.
chair de poule. Ah bah... Ah, on loupe de temps en temps. 3, 4, 5. Tous guéris. Vas-y, sors un peu là. Vas-y, fais ton taf là parce que... Il nous manque un docteur. Je pense qu'il nous manque un docteur. On embauche un docteur de plus. Ah non, on a déjà un docteur de plus. Mais il est où le troisième docteur? Qu'est-ce qu'il branle? Putain, on commence à être beaucoup, hein. Ah, ça commence à être... Ah, ça commence à être une responsabilité, hein. Il est où, lui? Lui, il est là, c'est bien. Ah, mais non, parce qu'il faut un quatrième docteur. On est full thune. Oh, on est full thune. Ah, je prends le crack. Bougonne désagréable. Après, elle soigne bien. Oh, c'est pas grave. Allez, hop, boum. Un nom spécial. Défi, on a gagné le défi. Alors, promotion personnelle du jeu. Jack. Et Jack, il a pas eu plus 1 en emplacement de formation. Ok. Ah oh, ouais, non. Tiens, je te mets là. Je te promeux, mais très peu, quoi. Bon, on guérit 3 patients de plus, c'est bon. Certains patients sont nus à mourir. Il faudrait leur donner de quoi se divertir. Mais les gars, il y a un moment où moi, j'ai pas assez, quoi. Vous voulez quoi? Des présentoirs à brochures? Je pense que ça va pas être ouf, hein, niveau divertissement. Là, on est bien niveau... Ah, il manquerait peut-être une petite plante ici, d'ailleurs. Au final. Ainsi qu'ici. Non, ça gêne tout, là. Non, ça gêne rien du tout. C'est sublime. Mais il s'ennuie. Vous voulez quoi? Parce que c'est vrai que s'il y a que des distributeurs de soda, tu peux débloquer d'autres objets. Ah ouais! Bah attendez. Grosse poubelle. Climatiseur. Oh, je vais manger de l'arcade, moi. Distributeur de bonbons. Préservoir à revue. On va mettre ça. Un petit préservoir à revue. Bien sûr. Un petit préservoir à revue. Mais là... Là, c'est sublime. Préserve. Présentoir, hein, je dis préservoir. Ouais, c'est vrai que ça me semblait bizarre, préservoir. Je me disais quand même que préservoir, c'est un... Ah, c'est pas valide dans une pièce, c'est con, ça aurait été bien. Mais du coup, juste à l'entrée de la pièce, vous pouvez peut-être... Attends, je te fous ça là, moi, tranquille. Hop. Comme ça, le mec peut prendre sa petite revue, et ensuite, direct, il va dans la salle de repos. Oh lolo. On va avancer un peu, comme ça. Voilà, parfait. Fontaine à boire. Ah, mais 75K. On débloque. Ouais, on débloque. Oh, putain, on devient malade, là. Oh là, c'est... Là, y a plus de limite, là. On en met un peu partout, des fontaines à boire. Chaque lot, c'est important. On parle beaucoup de soda, ici. Comme si ce qui nous rapporte des sous. Mais l'eau, c'est pas mal. Comme ça, ils peuvent boire un peu partout. 36 000 balles, hein. Je crois que j'ai gagné le jeu, hein. Hey. Là, honnêtement, les mecs doivent s'éclater, hein. Private. Alors, le ministère de la Santé de Two Point... Ah, 2 étoiles! J'ai gagné un distributeur de chips. Oh, m'en voilà ravi. Oh, m'en voilà ravi. Oh, je vous le dis, je suis, mais... On ouvre la carte. Eh, 2 étoiles, on va à la suite. Allez, on fait la suite. Alors, où est-ce qu'on va aller? Hôpital plus grand, déjà. Pour 18 heures, on ferme bien sa gueule à l'hôpital, c'est vrai. Lower Bullock, c'est accessible. Très bien, ça. Je gagnais un distributeur de chips. Non, mais il faut... C'est des petites victoires dans la vie, hein, mais... Ah, deux étoiles, ça fait mal, quand même. 3 étoiles aurait fait plus plaisir. Ouais. J'ai 678 000. Je suis riche. Il n'y a que 3 niveaux, du coup. Si je clique là-dessus, qu'est-ce que ça fait? Ah, c'est bloqué. On va commencer là, alors. Mais du coup, à chaque fois, faut tout refaire. Attendez, votre organisation est établissant un deuxième hôpital. Ah, là, c'est... Parce que l'autre continue à faire des sous. 150 000. Oh, il y a déjà des trucs. Construisez une salle psychiatrie. Oh, il y a des nouveaux trucs. Oh, c'est pas mal. Alors, attends. Une impressionnante salle de psychiatrie afin de garder les gens heureux. Oh, impressionnante. Voilà ça, mec. Toi, tu me connais pas. Hein. Si tu veux de la salle de psychiatrie impressionnante, tu vas en avoir, quoi. Je vais te foutre ça. Comme ça. On va y avoir qu'un psy. Je devrais peut-être les faire dans l'ordre. Ah, mais là, j'ai fait... Parce qu'ils m'ont demandé une salle impressionnante, mais... Ouais, parce que là, il faut un... Ils vont foutre un... Oh, il y a un divan. Au secours.
Ah mais comme ça on fait deux réunions par... Alors, ils sont bien là, ils sont proches, je peux lui caresser le genou comme ça. Fenêtre, full fenêtre. Full fenêtre, pour compenser la peur de l'abandon. Les classeurs avec tous les dossiers ici. Petite poubelle ici, comme ça lui il peut à tout moment on va foutre un petit distributeur de bonbons ici et il pourra manger durant la séance de psy. Petite fontaine à boire si jamais c'est trop éprouvant la séance. Petite plante parce que bien sûr on est chez le psy mais le psy c'est un environnement familier. Petite poster de tête d'ampoule pour te rappeler quand même à ton enfance où t'as été maltraité, juste en face de toi, pile là. Tu regardes juste ici, en face de toi, quand t'es en train de discuter avec le mec. Ça, c'est sublime. Trop grande, la salle. Fais pas de salle tout le temps, carré, un rectangle, c'est moche. Tu me dis de pas faire de salle tout le temps carré, et tu me dis qu'un rectangle, c'est moche. Je pars sur un losange, du coup. Après, c'est vrai que c'est peut-être un peu grand. Hein. Mais ils m'ont demandé une salle de psychiatrie Stokos. Hein. Ah, c'est trop. On a été américains. On a été américain. Faut savoir se le dire. Là, c'est mieux déjà. Je pense que là, c'est mieux. Là, c'est beaucoup mieux. Honnêtement, là, on est beaucoup, beaucoup mieux. Comme ça, je serais pas pénalisé. Parfait. Attends, on va quand même juste se faire une petite fenêtre. Parce que ça, c'est important. Boum, boum. Et poubelle, on a plantes, plus de plantes. Parfait, petite poster à tête d'ampoule ici, cadeau. Hop, pour la mif. Alors, ça c'est bien, c'est bon. On peut partir là-dessus. On va embaucher, j'imagine. Il nous faut un psychiatre. C'est pas des psychiatres. Docteur qualifié en psychiatrie. Comment tu vois ça? Tu vois les qualifications là. En général, diagnostic avancé. Mais c'est que des psys eux. Ah eux ils ont des looks de psy hein, quand même. Diagnostic. Docteur de base que tu as. Plein d'énergie. Oh bah Vivian. Fous-toi là Vivian. Ah bah c'est bon. Nous avons été contactés par Bungle Technology, qui possède de nombreux hôpitaux de recherche dans le pays. Alors, ils ont une proposition intéressante pour nous. Leur licence de psychiatrie a été révoquée récemment en raison d'un accident avec... Enfin bref, il vaut mieux ne pas en parler. Ils veulent nous envoyer leurs patients de psychiatrie et en échange, ils nous permettront d'acheter certaines de leurs nouvelles technologies. En attendant que notre organisation obtienne une licence de recherche, nous avons besoin de toutes les technologies que nous pouvons obtenir. Améliorons un peu l'hôpital pendant que nous occupons des patients de Bungle. Ok. Donc il faut faire passer l'hôpital au niveau 3. Du coup, il faut de la salle. Pas facile, hein. Pas facile. Dis quand même. Petite shot. Petite shot ici, là. Petite shot. On en met une. Ça suffira, hein, parce que parfois... Parfois, il se passe des trucs chelous. Hein. Ça évitera qu'il se passe des trucs chelous. Au moins, comme ça, là, il y a la poubelle. Extincteur. Et les extincteurs, il y en a beaucoup, je trouve. Hein. Plan. Parfait. Là, on est bien, là. Est-ce qu'il faudrait pas une salle de consultation? Parce que là, ils font quoi, eux? Rendez-vous, bureau du généraliste. Eh ben, il n'y a pas de bureau. Ah si, ils sont là, le bureau du généraliste. Ouais, maman, excuse-moi, la même que juste avant, là, je suis en train de créer un hôpital. Donc, je pense qu'il y a des priorités. Je t'aime. Alors, mais du coup, on va créer quoi d'autre? Attendez, parce qu'il y a psychiatrie, c'est une salle de repos. Clinique super luxe, bah non, diagnostic général, c'est juste ici. Peut-être un petit bureau. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est diagnostic général, c'est quoi? Non, c'est bureau généraliste, ça. Ah, il faut peut-être un petit diagnostic général. Ah, mais après, là, ça a l'air d'être psy, quand même, l'ambiance. Non, mais il faut faire monter, quoi. On va faire monter ça. Ah, mais là, c'est pas facile, parce qu'il y a des entrées partout. 3 sur 4 me semble bien. Alors, hop.
table d'examen. Parfait, des petits classeurs. Boum. Petite poubelle. Extincteur. Boum. Petite fontaine à boire, on sait jamais. On fera un test un peu difficile. Et petite plante. Souvent la même chose quand même. Hein. Qu'on fait ? Je vais mettre là. Parfait, ça, ça pousse ça. Alors il faut un infirmier. Alors un infirmier, on a zéro infirmier. On n'a pas trop de thunes d'ailleurs. Hein. Si je peux m'exprimer. 18 000. Pandora, je l'aime bien. Hein. Ah, du potentiel, je crois, dans une comédie positive, je tiens le record. Mais ce record saut en longueur des moins de 14 ans, direct, je réfléchis même pas. Je suis même pas là pour réfléchir. Il fait quoi, lui, là? J'ai plus de docteur. J'avais qu'un seul docteur, il est plus là. Ah, putain, j'ai plus de docteur. Bah ouais. Diagnostic, eh, c'est pas mal sur Flamme. On va pas foutre autant de tuer. Hein. Maisie, du potentiel... Ah, Bougon, j'aime pas. Pitre, mauvais caractère, pareil elle-même. Ah, mais est-ce qu'on a envie, étudiante en médecine, est-ce qu'on a envie vraiment de... Liste du personnel. Bah, on a... On a Pandora. Qui est l'infirmière dedans, là, c'est ça? Ouais, qui est là, qui est en train de chier dans les plantes, d'ailleurs, on sait pas trop ce que fout. On a Daisy ici, on a Jasper, et il y a Vivian. Donc il nous manque un médecin. Il nous manque un médecin, ça c'est obvious. On aurait dû s'en rendre compte avant. Je suis étudiant en médecine. Ah ouais? Bon allez, on va lui donner sa chance. C'est pour toi Yann, fais-nous confiance. Allez, c'est pour toi Yann que je le fais. T'as pas intérêt à me décevoir, hein, gros. Parce que sinon, moi j'aurais pas pris lui de base. Alors parfait. Hôpital niveau 3, qu'est-ce qu'il y a? Une nouvelle maladie vient d'être découverte. Rockstar. Les patients se prennent pour l'une des plus grandes rockstars de l'histoire, mais ils sont simplement gaga. Psychiatrie directe. Ah bah ouais, là, parce que là, les gens étaient en tempo. Je suis désolé, mec. Toi, tu t'ennuyais de ouf. J'imagine bien. Du coup... Hop. Eh. Hey. C'est rare que, quand le mec s'ennuie, il y a un distributeur de chips qui pop direct devant lui, quoi. Nouvelle technologie. Alors, nous a donné accès à certaines de leurs... De leur dernière technologie, une amélioration du mélangeur de médicaments de la pharmacie et une autre pour le diagno facile du diagnostic général. Si nous les installons sur nos machines, leur efficacité sera augmentée. Afin d'améliorer nos machines, nous avons besoin d'un agent de maintenance qualifié en mécanique. Sélectionner une machine, puis je laisser améliorer. L'agent de maintenance qualifié ira ensuite améliorer la machine, ce qui prendra un peu de temps. D'autres choses pour nous par la suite. Donc il faut un agent de maintenance qualifié en mécanique. Petite poube. Pour l'instant, on est à moins 4000 balles. En difficulté. Faut améliorer une machine. Est-ce que Jean-Duce, là, il est capable? Ça tombe bien. Ce petit gars est parfait pour la mécanique. Diagno facile. Améliorer. Parfait. Vas-y, Didier. Parfait, super, ça. Une fois amélioré, ça, j'ai fait. Ok. Bon, là, ça tourne, hein. Un peu de... Deux, trois éléments, et ça sera bien. Peut-être des plantes. Ah, ça manque de plantes, là. On le sent que ça manque de plantes. Petite plante ici, là. Boum. Petite plante ici aussi, hein. Petite plante ici, là. N'ayons pas peur de mettre des plantes. C'est sûr qu'on a vraiment peur de mettre des plantes, nous. Présentoir en revue. Boum. Petite fontaine à boire, c'est cadeau. Vous allez pas vous déshydrater pendant tout ce temps. Moi, je préfère vous le dire. Et petite plante ici, du coup. Plante ici, comme ça, ça oxygène en permanence. Permanence, on est oxygénisé. Ah, mais lui, il attend. Lui, il attend le médecin. Nos médecins ont découvert une nouvelle maladie, diarrhée verbale. La maladie dont tout le monde ne cesse de parler. La diarrhée verbale se propage rapidement et s'entend à des kilomètres. Le patient cherche à se faire soigner, il lui faudrait une pharmacie pour le traiter. Ah, là, on est en diagnostic général. Ah, bon, on va faire une pharmacie, gros. Attends. On va te faire une pharmacie. Allez, partir. Juste pour toi, gros. Parce que nous, avant tout, avant d'être dans le business, avant d'être dans tout ça, on est avant tout dans le soin des gens. Moi, 4 par 3, je trouve ça bien. 3 par 3, je trouve ça un peu petit, tu vois. 4 par 4 hein, c'est grand, 4 par 4. 3 par 4, j'aime bien. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je trouve que ça crée une atmosphère, le 3 par 4. En plus, il y a des fenêtres. Donc... une poubelle, hein. Moi je fous toujours la même chose hein, dans mes trucs. Hein. La pharmacie, c'est toujours bien d'avoir un petit... Parfait. Là on est bien, mais du coup il nous faut un infirmier de plus. Ou bien pas par rectangle. Mais du coup, il faut faire quoi, 4 par 4? C'est nul les rectangles? Moi j'aime bien les rectangles. Je crois que j'aime bien ça.
Je m'étais jamais rendu compte. Mais je crois que les rectangles, c'est mon truc. Alors, il me faut un infirmier. Qu'est-ce qu'elle fout, Pandora? Ah, mais Pandora, limite, comme il n'y a rien là-bas, viens là. Voilà, parfait. De toute façon, là, il n'y a rien là-bas. Donc, ça changera pas grand-chose. On n'y va pas. Mais qu'est-ce qu'il branle, lui? Il casse la démarche, je crois. Je crois qu'il est en train de casser la démarche comme Samuel Umtiti. Lui, il vomit, lui. Toi, tu beuges, toi. Toi, t'es en train de beuges, là, dans ma poubelle, là. Et toi, tu t'essayes de le zouker, quoi. Lui, il est en full zouk, lui, hein. Lui, c'est Zoukman. Lui, je l'aime bien. Annabelle, là, Annabelle, on sait pas trop ce qui branle. Ah, mais il attend le diagnostic. Ah, mais tu vas attendre, hein. Je pense qu'il va y avoir des morts. Je vous le dis. Mais elle est pas partie. Reviens là, toi. Reviens là. Voilà. Parfait, comme ça on peut faire. Quoi qu'il arrive, là, il y a la machine. Oh, il y a beaucoup de gens qui attendent. Regarde la salle de départ pour comprendre le rectangle pas carré. Ah, ouais, parce que vous faites des trucs en architecture. Ah, mais nous, on est au début, nous. Ah, nous, on est au début. Mets des bancs devant la salle. Je vais leur foutre un petit banc. T'as totalement raison. Ils peuvent se mettre à deux dessus. Oh. Attends, deux secondes. Du coup... Ah, non. Parfait, vous pouvez vous asseoir à deux, les gars. On a bientôt fini. Ah, oh, mais il est mort. J'ai du traitement. Oh non, il va die. Non, die pas. Oh, c'est fini. Il a die. On a eu un souci technique. Ah, lui, il s'ennuie. Attends, petit banc. Oh non, il voulait autre chose. Oh, mais du coup, ils veulent peut-être des distributeurs de chips. Ils veulent tous des distributeurs de chips, hein, j'ai l'impression. Moi, ouais, c'est un peu le souci que j'ai l'impression. Hein, c'est que tous ces gens ne veulent que des distributeurs de chips. Bon, la machine est améliorée ou pas? C'est bon, parfait. Labo de marmiton. Nouvelle technologie. On a eu un souci technique. Ah non, mais il meurt beaucoup. Hein. Ok. Sauf Freddy en priorité. La machine est améliorée. Faut attendre toujours avoir quelques extincteurs repartis dans l'hôpital pour protéger vos machines. Continuez à grandir. Ok, bah parfait. Alors attends. Je vais te foutre un petit élément extincteur. Parfait, comme ça. Comme ça, on est bien, si jamais. Vous pouvez construire de nouveaux bâtiments afin d'obtenir... Non, mais c'est vrai qu'en fait, je construis assez mal mes pièces, moi. Je pense que c'est ça, le souci. J'ai essayé 3 passeurs en labo de marmiton. Je pense qu'il va me falloir une infirmière, là. Une infirmière pas très chère. Oh, lui, je l'aime bien. Oh, lui, après, il a double... Piètre, déborde d'énergie, aime argumenter, n'a jamais retenu ses mots. Allez, on se fait plaisir. Allez, on se fait plaisir parce qu'on sait qu'on va faire des sous. Devenez propriétaire de 2 bâtiments. Bah, c'est-à-dire... J'ai quand même bien l'impression d'être propriétaire d'ici, moi. Coucou Domingo, ça va? Super, et toi, Chloé? Tu peux créer des pavillons autour de l'hôpital. Je t'assure que non. Oh, le labo de marmiton. Mais ça, c'est un labo de marmiton, du coup. Ah non, je dois le créer, le labo de marmiton? Oh, mais le con, j'aurais jamais dû faire ça. Alors là, c'est ce que vous me disiez. C'est-à-dire que comment je peux faire un truc cool? Il y a peu de trucs cool que je peux faire là. Des zooms, tu as des parcelles à acheter. Moi, oh, je peux acheter un deuxième terrain. Ah, mais j'ai plus de thunes. 50 000 balles. 25 000 balles. Oh, j'achète. Oh, on achète. Jour restant 15. Oh, on est full en déficit. On va crever. Non, parce que là, je peux faire un labo de marmiton ici. Hein. Tu dois acheter les 2 terrains à côté de ton bâtiment. J'achète. C'est bon, là, c'est en train d'être rénové. Moi, je ferais bien un petit labo de marmiton ici, là. Qu'en pensez-vous? Parce que ça, si je le bouge là. Honnêtement, on n'y voit que du feu. Fais, Domi. Ouais, non, je pense que je vais faire. Hein. Et je vais faire un truc un peu stylé. Promis. Ça interfère dans mes idées là. L'abonnement m'étant. Il ne retient pas l'espace à ton imagination. J'ai un grand projet là. Alors, vous vous dites c'est nul. Ça va être architectural. Ah. Ouais. Et là,
Là, comme ça, je pense que c'est mieux. Là, ouais. Là, 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 c'est beaucoup mieux, là. Parce que ça met comme... Ah, ouais! Ah, du coup, faut que je change tout. Attendez. Parce que ça, c'est le plus important. Ah, ouais. Difficulté, en fait. Non, mais c'est parce que c'est ça qui nous gêne. C'est juste ça qui nous gêne. Comme ça, on va faire ça. On va faire ça. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus de choses. Hein. Eux, ils vont rentrer par là. On va foutre des extincteurs ici. Parce que ils nous ont dit que ça pouvait prendre feu. Petite poubelle ici, qui rentre bien. Petite plantos. Ici, c'est la case des plantes. Ici, une petite fontaine à boire. Parce que c'est difficile, le labo de marmiton. Et une petite poster de tête d'ampoule ici. Et là, mon gars... Oh non, c'est minimal, 4x4. Ça se fait. Je pense que ça se fait. Ça se négo. Si on met des fenêtres ici... Ça peut même être sympa. Ça peut même rajouter quelque chose, tu vois. Ouais, ouais. Si, si, ça rajoute quelque chose, là. Non, non, ça va pas, non, on va pas non plus forcer, mais... Alors, lui, il est pas content d'être là, lui. Attends, il nous pète les couilles un peu, lui. Sans vouloir lui manquer de respect, il commence un peu à nous les péter, quoi. Voilà, boum. Alors... Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, on n'est pas le plus grand hôpital, hein? Alors, imagine que vous êtes sur le cul, là. Vous n'en faites pas, c'est bien normal. Vous êtes tout simplement devant le plus bel hôpital de France. Oh la vache! Petit distributeur de soda juste à côté, comme d'hab. Ici, c'est vraiment le... Toi la plante. Faites comme si j'étais pas là, hein. Faites votre vie. Moi je suis en... Moi je suis en aménagement là. C'est quoi ça? C'est soda ça? Ah, parfait, on va faire un petit distributeur d'Onka juste à côté. Oh là là, putain, l'hôpital rêvé quoi. Oh l'hôpital, tu sais, même si honnêtement tu... Si tu le rêves, tu peux pas l'avoir je pense. Et une petite plante, allez, à tout hasard. Il y a quand même pas mal de distributeurs dans le car. C'est propre. Hein. Belle économie, hein. Bien géré. En début, je savais pas si je serais capable d'être directeur comme ça, de devenir Saraton Crédit à mon tour. Au final, je me rends compte que... Pff, je me suis juste pas fait confiance. Je me rends compte maintenant que... c'est qu'une formalité. Pour quelqu'un comme moi de faire cet hôpital. Ah, il faut quelqu'un là-dedans quand même. Ah, il faut un docteur. Ah, on commence à en avoir pas mal les docteurs. Non, on a combien de docteurs? Je suis sûr qu'on... Ah non, on n'avait pas recruté tout à l'heure. On va recruter un petit docteur. Allez. Petit doc. 48 000 balles. Non, lui, il a l'air con. Voilà, Belinda. Se croit dans une comédie romantique. Mal apprise. Travaille pour des cacahuètes. Sublime. On pose des panneaux hors service sur des choses qui ne le sont pas. Tu es teubé, Belinda. Belinda, Belinda, qu'est-ce qui se passe? Parce que lui, il a l'air chaud. Hein. Hygiénique, main verte, a été élevé dans une ferme. Oh putain, Sébastien, t'as envie de le marier, quoi. Oh, Sébastien... Ah ouais, non, Sébastien, t'as deux gosses avec lui, quoi. Ah, t'as Charles qui sort. Ah, c'est beau. Hein. T'as Charles et Marie avec Sébastien. Ici, là. Allez, on prend la débile. Allez, on fait des sous, maintenant, hein. Je vais pas acheter pour rien là les cons. Alors devenez propriétaire de deux bâtiments. Ah, je dois en acheter un autre. Promotion du personnel. Oh, commencez pas à nous faire chier vous. Alors, on veut voir. Ah, c'est 22 000 pour être heureux les gars. Maisy, on va lui mettre 19 000, c'est déjà bien. C'est quoi ça sur ta gueule? C'est promotion? Promu, content. Parfait. Nouveau bâtiment. Faites passer. Alors par contre, on n'a pas de patients qui ont marmiton. Lui, il a quoi, lui? Salle commune nécessaire. Oh, mais il commence à nous péter les couilles, là, tous.
Dans ce cas, il me faut une... Putain, lui, il est en train de me chuchoter dans l'oreille. Salle commune. Ah mais alors tu vois, moi j'aimerais bien faire des trucs un peu stylés. Comment on fait des trucs stylés? Genre ça, je trouve ça stylé, mais comment ils ont eu l'idée de faire ça? Je vais reprendre la même idée. Je vais essayer de faire ça en plein milieu. C'est osé. 4x4, c'est peut-être mieux. Non mais du coup, si je veux faire ça, il faut absolument... Non, non. Il faut que je fasse 5x5, 5x4. Et ensuite, je fais des petits trous. Parce que c'est ça le but. Et ensuite, je fais ça. Oh là là. Oh, c'est pas droit. C'est pas grave. On fera après ça. Porte d'entrée de salle commune. Boum. Poste d'infirmier. Clac. Ah, mais là, c'est le truc qu'il faut très grand. C'est con. On a combien de lits là-dedans? 2. Pas si mal. Par avant. Pas si mal. Hein. C'est pas un si grand hôpital que ça, celui-là. Hein. L'autre, ça, il a fait vraiment carton. Parce que c'est l'hôpital de toute la région, quoi. L'autre, vraiment, tu viens de très loin pour aller dans l'autre hôpital. Celui-là, bon, il est cool, quoi. Celui-là, c'est plus, bon, voilà, j'ai un petit truc, j'aimerais bien... Comment j'avais fait déjà pour bouger le truc? Ça. On est d'accord que je peux pas le mettre droit face à la porte, quoi. Eh ouais, parce que c'est l'un ou l'autre. Double jeu. Intéressant ce que tu nous fais là, Christophe. J'aime bien. C'est beau, la cabine est à l'envers. Bah je l'ai vendu. Voilà. Alors, je vais être content. Je vais te faire que des conneries. Alors modifier. Petit paravent. Bim. Direct, tu rentres, tu te changes. Et tu te poses sur le lit. Ça c'est quand même beau. Alors j'imagine qu'il nous faut un petit infirmier. On commence à comprendre. On met pause pendant ce temps. Alors on va pas coûter très cher, hein. Provoque la nausée. Bah, parfait. Alors ça met bien. T'es dans une pièce avec un mec qui te provoque la gerbe. Oh c'est... Savez-vous, vous pouvez déplacer une file d'attente. Oh mais là ça charbonne ici, hein. Qu'est-ce qu'il a lui? Ah lui il avait juste envie de se dépêcher d'aller prendre un pouf. Là il faut 6 personnes. Ouais, calmons un peu le rythme. Là ça allait vite. Promotion du personnel. Mais allez. Pourquoi il y a 6 là, comme ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est qu'il y a 6 personnes qui attendent. Oh, il faut une autre salle. Il faut une salle de repos. Et il faut une nouvelle salle de diagnostic. Ah, je m'étais pas rendu compte de ça, moi. Il va falloir beaucoup investir. Salle de repos. Ah, c'est la crise, là. C'est combien, salle de repos? Minimum 3x2. Bah écoute, petite salle de repos. Je fais un 3x3, moi. C'est important, le bien-être. Voilà, quelque chose de très sympa. Quelque chose vraiment qui donne envie de vivre. Un petit distributeur de soda. Juste là, t'as un distributeur d'Anka. T'as une petite fenêtre là. Et j'imagine que, si ça me gêne pas, je vais foutre une poubelle, ainsi que une petite fontaine à boire gratos. Parce qu'on n'est pas que dans du payant. Et encore heureux, si je puis dire ainsi, qu'on aime l'eau. Hein ? Ah oui. Ah oui, on aime l'eau. L'eau, c'est bon. Eh, y'a personne qui est en labo marmiton, hein. C'est de la merde. On m'a fait acheter un labo marmiton, c'est de la merde. Ça m'énerve un peu, quand même. C'est le minimum 3x3. Alors, je comprends pas. Voilà, c'est comme ça. Alors, vous pensez que c'est dégueulasse, mais... Alors, retenez-vous. C'est pas ça que je vais faire. Je vais faire ça, là. C'est quoi le truc, là, ici? J'interromps tout. C'est quoi, ça? C'est un bureau généraliste. C'est ça qu'il me faut, moi. 3x3. Parfait. Hop, juste à côté de la petite poube. Petite poube juste à côté. Petite plante. L'équipe est au cas. Petite poster tête d'ampoule, comme ça. Comme ça, si jamais le client est tête d'ampoule, on peut voir. On peut voir direct. Parce que là, il y avait beaucoup trop de gens. Oh là là, mais je suis incroyable.
Parce que eux ils sont en galère. On a quoi comme personnel là? Oh, ils sont tous à bout de souffle. Ils sont tous en train de crever. Pas symétrique. Oh merde, j'ai attrapé quelqu'un par la peau. Daisy. Oh, Daisy est au bout de sa life. Daisy, repose-toi un peu. Daisy, je te fous dans la salle de repos. Qui est mort aussi? Vivian. Vivian, t'es en train de te tirer une balle là. Vivian, salle de repos. Maisie. Ah, Maisie, on a besoin encore un peu. Ouais, elle est charbonne. Hein. Ils charbonnent tous. Hein. Pff, c'est beau. C'est beau de voir autant de. Je suis à moins 4000. Hein. On a du mal à la rendre. Là, il me faut un petit docteur. Petit docteur. Allez, il nous faut des. Mais j'ai l'impression d'avoir 10 docteurs, moi. J'en ai 3. Qu'est-ce qu'ils foutent? J'en ai 3 sales. Hein. Ça, il y a besoin de quoi? Il y a besoin d'un docteur. Mais ils sont jamais là. Embauche un médecin. Parfait, on va embaucher ça. Bah non, parce que du coup, il y en a une autre qui allait dedans. Toi, dans ce cas, tu vas aller là. Ok. Il n'y a plus de réceptionniste. Reviens, reviens. C'est fini la pause. Stop, 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 c'est fini la pause. Tu vas mieux ou pas? Est-ce que tu vas mieux? Elle est où? Oh mais Daisy va super bien. Reviens là toi. C'est bon, hein, on fait 10 minutes de pause. Regarde le nombre de gens qu'il y a maintenant. Oh, l'hôpital est surbooké. Hein. Demi, je te regarde avec ma mère. Pas facile de lui expliquer ce qu'est un streamer. Ah ouais, non mais... Mais n'hésitez pas, madame, à proposer des idées hein, pour l'hôpital. Hein, parce que chacun peut avoir... Est-ce que vous viendrez dans mon hôpital, là, pour l'instant? Je pense que oui. Je pense que personne. Eh, j'ai une idée. Non, c'est de la merde. J'allais faire une petite salle de repos, ici. Tu vois, qu'on soit vraiment, genre, à dispo... Oh là là, lui il zouk, hein. Moi, j'ai l'impression qu'on soigne pas mal de gens, quand même. Mais on fait pas tant de sous que ça. Ça, elle ne sert à rien cette salle. Kha'Zix main OTP, merci beaucoup. Merci beaucoup pour le sub. Oh, salut Cyanerd. Mais une deuxième réception comme dans ton premier hôpital. Ouais, je pense qu'on a besoin de ça là. Oh, ça devient dur là. Il y en a dans tous les sens. C'est l'élément. Non, parce qu'il y a des trucs. Ça va faire un effort. Hein. Ça va faire un effort quand même. Hop, je te redépose là, toi. Parfait. Là, on est bien. Là, honnêtement, on sera jamais rentable. C'est pas un agent de maintenance, c'est un assistant. Ah, quelqu'un de vraiment pas cher. Hein. Aucune compétence, piètre, peu hygiénique, porte rarement des chapeaux. Positive a toujours les bonnes piles sous la main. Ah, bah, je préfère largement elle, qui au moins a envie, quoi. Pour un peu plus cher. Vitesse plus 10%. Ah, pour 1500 balles quand même. On a Naomi qui a déjà des compètes. Allez, Naomi. Ah, on y va, les gars. On y va. Construit une morgue. Faut farmer la thune. Ah, bah, on farm. Mais regarde, il y a déjà 3 personnes qui attendent là. Ils attendent quoi, eux? Rendez-vous, bureau généraliste. Fais la queue. Il y a des gens là. Oh, il y a full. Eh, ça tourne quand même pas mal, hein. Juste là, on se fait chier ici. J'ai pas un gars qui est... Pourquoi? Expliquez-moi pourquoi y a pas quelqu'un en marmiton, là. J'ai besoin de savoir ça. Attends, lui, ça fait... Bah, lui, c'est lui, en fait. Je t'attrape, toi. Viens là, toi. Parce que ça, cette salle, elle fait le taf. Tu peux augmenter le prix des consultations. Oui. Attends, on a un message. On découvre une nouvelle marmitette. Ah non, on est en marmiton. Oh, il y a le premier... Non, mais ça sert à rien. C'est un truc de Yankee, le marmiton. Ton doc a mis le marmiton en HS. Comment ça? C'est censé avoir... Casserole sur la tête. Il vend un marmiton. Il nous faut un doc en marmiton. Un doc. Un doc, vite. Un doc. Où sont les docs? Lui, j'ai l'impression qu'il fuit. Il fuit. Regarde, il s'en va. Allez, va dedans. Oui, le premier marmiton. Qu'est-ce qu'il va faire, lui, du coup? C'est quoi la vie d'un marmiton? Oh, merde. Oh, bah, merde. Oh. Oh, il avait juste mal à la tête.
Et c'est bon. C'était que ça durant tout ce temps? Mais il est mort. Échec du traitement. Il faut un spécialiste, putain, du marmiton. Il faut un spécialiste du marmiton, on n'avait pas conscience de ça. Putain. Oh le con. Psychologie. Mais genre c'est quoi, c'est une formation en marmiton? C'est ça que je m'y connais assez peu à ce niveau. Les deux peuvent faire psychiatre là. Peter Salomon et Vivian là. Vivian, Peter Salomon c'est le gars sûr. Hein. Vivian il fait un peu de tout. 8 500 $ et il meurt. Ah oh, c'est pas grave, on lui a pris. Hein. Oh non, qu'il meure pas devant nous, s'il vous plaît, éloignez-vous. Oh, deuxième marmiton! Troisième marmiton, full marmiton! On reteste, voir si le marmiton c'était... Va savoir, c'est juste qu'il a trop attendu. C'est un peu triste, mais... Nous pouvons améliorer notre mélangeur de médicaments. Bah améliore, améliore alors, vas-y, améliore. Améliore. Alors, est-ce que lui, ça va le soigner? Ah non, mais voilà, il va très bien, c'est juste que l'autre était chauve. Ah non, c'est juste que l'autre était chauve. Ah non, moi j'ai eu peur. Oh, bah merde. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Échec du traitement. Mais il va nous hanter, ce con. Mais on a pas de garde de la sécu, là? Ah, c'est bon, il s'est barré. Non, parce qu'il a, lui. Lui, il a une lettre, lui. On voit le message. Nous pourrions faire de grandes choses avec cet endroit. Quelques plantes de plus, je lui poster. On pourra aussi nettoyer ce vomi au passage. Ah bah, n'hésitons pas. Attrait de l'hôpital, 70%. Je vois où mon attrait, moi. Je suis à 59. Tu veux full poster? Tu veux full... Mais je vais te régaler. C'est bon, j'ai décidé là. Les plantes. C'est que plante, toi, t'es assez peu vert, toi. Boum. Direct, mec. Petite plante dans les chiottes, là. Ici, ça met bien. Petite plante ici. Là, on récupère la zone, là. Je suis à 62% d'attrait. Et c'est que le début. Oh, y a un putain de... Mais y a du vomi, là. Mais il me faut plus d'agents de maintenance, hein. Je pense que c'est ça, le souci. Oh, là, y a zéro... Là, on est en zéro plante, là. Ah non, ils iront pas bien, les gens, s'il y a zéro plante. Il faut des plantes. Moi, je pense que c'est vraiment ça. Hein. L'objectif, c'est des plantes et des... Et comment ça s'appelle? Oh là là, tu peux aller dans ta petite zone. 65%. Non, on va foutre des tableaux, on va foutre des trucs. Hein. Poster tête d'ampoule, boum. Boum. 66%. Moi, je vais te le faire, hein. Regarde, sur les chiottes, tu pisses, t'as un petit poster en face de toi. Oh, c'est long, ça. Ah, c'est long, en fait. Y'a full vomi. Attendez, parce qu'il y a full vomi, là, y'a full... Ah, c'est le fantôme qui vomit. Capture de fantôme. Parfait. Harry Nemesis, je t'embauche. Tiens, vas-y. Combat-le. Oh, il aspire. Il aspire le fantôme. C'est réglé. Ah, tu me gères le vomi aussi, hein. Ah, tu me... Voilà, parce que lui, il a peur des fantômes, du coup. Ah non, lui, il courait juste par pur kiff, quoi. Ah, c'est bon, il a été soigné, quand même. Et t'améliores, ça? Agent de maintenance. Ah, ça, c'est... 3%, hein. Mélangeur de médicaments, ça va pas être ouf, hein. C'est Luigi, le truc. Mais attendez, parce que 66... Attendez, on va foutre un peu plus de trucs cool, là. Comme ça, on va avoir des bonus. C'est vrai que, moi, je trouve que... Il y a des endroits où on manque un peu de distributeur de chips. Oh, le distributeur de chips, il a une gueule. Hein. Tu vois, là, par exemple. Un petit tanka en sortant. Et un petit soda. 67%. Il nous faut plus de plantes. Une fontaine à boire. Une fontaine à boire. Ou il nous faut des chiottes, peut-être. Ici, il nous faut des chiottes. Non. Il faut peut-être une salle de repos. Il nous faut quoi, là? Qu'est-ce qu'on pourrait faire, là? Ça, c'est quoi, ça? C'est un 2x2, ça? Ouais, c'est un 2x2. 3. Attendez. Hop. Ah, des chiottes, hein. On fait des toilettes pour hommes et d'autres pour femmes. Parfait. Oh, il comprend tout. Ça, c'est pour les dames. Ah, j'aurais plus vu comme ça, là. Bon, c'est pas grave.
Sèche-main. Petite poubs. Juste à la sortie des toilettes. Petite... Ah, fontaine à boire dans les chiottes, c'est pas ouf. Hein. C'est les trucs. Petite poster, tête d'ampoule. Et deuxième plante, c'est quoi? Eh, 67%. En vrai, ça y a de la vie, là. Faut la poubelle hygiénique. Des bancs aussi près du psycho. C'est vrai, ça. Bien vu, ça. Bien vu. Là, vous êtes bon, là. Ah, mais il gâche un peu le passage. Attendez. Oh non, misclic, ça. Okay, ça, je vais le mettre. Excusez-moi. Vous pouvez vous pousser? Ah, mais c'est en train de faner. C'est en train de faner, ça. Ah, c'est parfait, il a appelé. Lui, il a quoi, lui? Clinique super luxe. Oh, il est en clinique super luxe, lui. Il a besoin d'une clinique super luxe. On se paye la clinique super luxe? Lavabo dans les toilettes. Bah, y'a un lavabo, non? Ou j'ai fait de la merde? Ah, ouais, on est en lavabo, les gars. Oh, je vous trouve dur, là. Là, je vous trouve dur, alors qu'il y a tout, là. Oh, j'ai plein de messages. Nouvelle maladie, d'ouvricelle. Aïe, oh, je me suis cogné. Affecte autant le corps que l'esprit. Ok. Plus réputé, impressionné le VIP par la qualité de votre hôpital. Le plus réputé des inspecteurs de la santé vient de nous informer de son expédition prochaine. Monsieur, au travail, a ajouté que nous ne devrions pas agir différemment pour l'inspection. Oh, 5000, mais on ne l'aura jamais. Hein. Clinique super, super luxe. La clinique, hein. Je pense pour la clinique. Hein. On va le faire attendre. Promotion. Vas-y, vas-y, c'est bon. Moi, je suis en full promotion. Là. J'ai une plante qui meurt. Il y a des plantes qui meurent ? Attention, plante de la maintenance. Donc, il faut... Plante de la maintenance. C'est une plante qui meurt en deuxième salle de diagnostic. Où ça ? Là ? Ouais, j'ai pas trop l'impression qu'elle meurt, mais. Ah bah si, parce qu'il demande un... Ah non, parce que c'est ce que j'ai appelé. Bah je vais vous foutre une... Tout pareil. Vous trouvez ça bien? Moi je trouve ça pas mal hein, quand même. Hein. C'est 3 par 3. Bon, je fais 4 par 4 moi. On aime la place. Mais des bancs. Moi je la trouve bien ma clinique. Hein. Moi je trouve ma clinique vraiment sympa là. Petite fontaine à boire. Extincteur parce que toujours en avoir quand il y a ça. Oh, la plante ici c'est forcé. Hein. Donc là. Oh, on va avoir trop de plantes après. Autant foutre des posters. Par contre, une petite fenêtre ici ça ferait pas de mal. Ainsi qu'ici. Ça c'est bien ça. Là c'est bien joué ça. Et du coup il nous faut un gars encore, il nous faut un docteur. Oh, on n'arrête pas d'embaucher. Hein. Par contre, travail qu'on fournit ici. Psychiatrie 2, diagnostic. Lui, il est chaud en psychiatrie, quoi. Parce qu'on a beaucoup de mecs chauds en psychiatrie, quoi. Les bords d'énergie, main verte, parfait. Ok, vas-y, on est bon. Je suis à 68% d'attrait, là. Moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir donné le max, hein, niveau attrait, là. Ça, ça va être amélioré. Ça, c'est en train d'être en cours. Oh, j'ai l'impression que je suis au max, moi. Je sais pas ce que je peux faire de plus là pour honnêtement en plante verte et tout, je suis à 69%. C'est bon. On a débloqué. Parfait. Razor, merci beaucoup pour le Twitch Prime. Des bancs, plus de bancs. C'est vrai ça. Un banc devant chaque truc. Ça devrait être la consigne.
peuvent attendre là, tu vois. Ceux qui vont là, eux ils peuvent attendre full. Eux ils attendent full. Eux ils attendent pas trop. Un petit banc ici. Ok. Les distributeurs. Et il y en a quand même pas mal. C'est vrai que dans cette partie, il n'y a pas trop de distributeurs. J'avoue qu'on perd de l'argent dans cette partie. On va remettre des trucs. Vous en faites pas. Heureusement que vous me l'avez fait voir. Parce qu'on n'achèterait pas. On peut pas trop acheter des trucs. Un bon argenté. Ils sont plus heureux avec des bons argentés. Ça me semble pas très réaliste. Demi qui laisse crever les plantes. Non, on va s'en charger. Juste là, on essaye de faire des sous. Chaque chose en son temps. On en a foutu partout pour être un peu présentable. C'est un quoi ça? Distributeur d'Anka. Du coup parfait, il nous faut un petit distributeur en face de soda. Oh là là. Et là. Mais ce serait bien d'avoir des nouveaux marmitons. Hein. Ce serait cool d'avoir des nouveaux marmitons quand même. Il y a des plantes qui vont pas bien. Ah mais elles sont en train de canner là. Celles-là elles vont bien, celle-là dans les chiottes, sans qu'elle a pas sa place. Eux ils sont parfaitement bien. Là peut-être ça canne un peu. Ça canne pas, hein, ça canne pas. Alors, pourquoi il n'y a pas de marmiton là? Docteur nécessaire. Oh, lui il a quoi, il a une couronne lui. Oh c'est le... Il visite la salle des toilettes. Oh putain! C'est l'inspecteur! C'est l'inspecteur les gars! Et c'est propre, hein. Il doit voir que c'est propre, hein. Il doit se dire, putain, c'est propre, hein. Là, un groupe de patients ayant besoin d'une pharmacie s'est enfui dans un centre médical Orb. Ils cherchent un traitement. Nous obtiendrons une belle récompense si nous nous occupions de ces patients. Faut-il les envoyer ici? Allez. On promeut tout ça, là. En plus, on est en mélangeur de médicaments 2, donc... Elle vient d'être promue. Lui, il fait son petit tour là. Ah, il est en full visite, hein. Il check tout. Hein. Lui, il a besoin de quoi? Il a besoin d'un café, lui? Qu'est-ce que c'est que ça? On va faire la queue. Oui, tu as besoin d'agent d'entretien. On se fait un petit agent d'entretien en plus. Un pas cher. Ah, ils sont chers quand même. Ils sont assez chers quand même. Je peux pas dire, mais 10 000 balles. Pff. Je sais même pas quoi on fout. Tiens, on fout dans les chiottes. Personnel est pas fatigué. Oh, ils sont à bout. Oh, ils sont juste à bout. Voilà, toi. Peter Salomon, vas-y. Je te mets là. Garrett Fossil, je te mets là. Oh là, on l'a fait à la rage totale. Hein. On les a mis au repos de force. Faut juste qu'ils se reposent un peu, là. Oh, bah, tu vois, il en a eu marre de se reposer. Bah il est hyper mature ce mec. Ah non, il voulait juste acheter un Anka. Combien tu vas lâcher de thunes là? 0? Ah, $20. $20. Attends, il faut un personnel qui va bientôt mieux là. Un personnel qui... Parfait. Venez là, hop, viens ici. On a besoin de ça. Éviter la salle de repos. Patients ayant besoin d'une pharmacie. Oh, ils ont full besoin de pharmacie eux. Oh la vache. Deuxième pharmacie. Nous avons peut-être trop d'agents de maintenance. Plusieurs d'entre eux n'ont rien à faire. Mais je vous avais dit, putain. Faut que tu mettes une salle de pause dans le premier bâtiment. J'hésitais à la faire là. Ah, parce qu'en fait, sinon, ils y vont pas d'eux-mêmes. Moi, je fous une pharmacie, là. Je refous une deuxième pharmacie. Attends. Oui, il veut pas. Go faire une pharmacie. On fait. Oh, j'arrive pas à les autres là-bas. Ah, c'est bon. Oh, petit extincteur si jamais ça part en couille. Petite plante. Toi-même, tu connais. Petit poster.
Et ensuite, armoire à pharmacie, c'est bien ça. Hein ? Petite fenêtre. Ok, parfait. On a trop de personnages, je pense. Hein. J'ai 4 docteurs. Ah, j'en ai un trop là. J'ai clairement un trop. Naomi Fromage, elle est en train de mourir. Ah, Naomi Fromage, faut faire une pause. Ah, je te le dis, Naomi Fromage. Daisy, par contre, faut revenir un peu au taf. Hein. Daisy, là, faut revenir, tu branles rien. Quand même quelques temps qu'on ne voit rien foutre. Et on va prendre un petit infirmier de plus. Alors, attends, petit infirmier. Parfait! Il nous faut quelqu'un qui a pas de compétences. Et qui coûte pas cher. Ça, c'est splendide. Oh, voilà, là, c'est splendide. Là. Là, on est très bien, on peut aller un peu plus vite. Elle est parvenue. Qu'est-ce qui s'est passé? Une étoile. Oh, j'ai une étoile. Oh, gros, globalement, tu fais des salles trop grandes. C'est ultra chelou, j'ai juste envie de jouer à WoW et F1, mais je me suis coaché à regarder Domingo, truc de ouf. fais les deux. Je peux voir l'entretien de tes machines et tout. Ah, ouais, sur le i. Alors, le ministère de la Santé, vous êtes comme l'éclair, vous avez fait taire vos détracteurs en frappant une deuxième fois. Tout le monde vous félicite pour vos initiatives. Merci à tous. C'est un plaisir, bah, ça se passe relativement bien pour l'instant. Mais c'est vrai que pour l'instant, on est dans du plaisir, quoi. On a eu une étoile. Hein. Devenez propriétaire de 3 bâtiments. Oh, on n'est pas là. Oh, les gars, on n'est pas là du tout, par contre. Déjà, un bâtiment. C'est pas mal du tout. Tiens, on fout un bon ici aussi. Oh bah non. Voilà, comme ça c'est bien. Comme ça, eux... Faut les soigner. Mais qu'est-ce qu'ils branlent là? Qu'est-ce qu'ils font? Ah non, ils sont perdus là. Qu'est-ce qu'elle fait virer, attraper. Retourne travailler, mec. Hein. Ah ouais, retourne travailler, c'est bon, on arrête les conneries. Hein. Toi, tu peux faire une... Toi, tu peux... Ah non, Pandora, je suis désolé, tu pourras pas faire de pause, toi. Toi, tu peux faire une petite pause. Ok. La violence, toujours la solution. Enfin, mérité. Visiter une salle, la salle commune. Ah, il manque des gens. Ça va trop vite. Tout va très vite. 8000 balles. Promotion. Ah, moi, je te mets jusqu'au... Eh, le sourire, putain, il est pas naturel hein, chez toi. 9200 balles. Pour l'instant, j'en ai guéri un. Je dois améliorer deux machines. Non, c'est une auto. Une guérison. Je dois améliorer des machines encore. Et je dois acheter un autre terrain. Parce que moi, j'achèterai pas comme ça directement, là. Comme ça, sans rien avoir à foutre, au final. Au final, tu vois, quelque chose de très naturel, quelque chose de... Enfin, un style de management moins autoritaire, mais plus consultatif. Ah, j'ai bien l'impression que c'est mon souci, hein. Mais regarde un peu tous ces gens qui... Regarde tous ces gens qui sont heureux, là. Ah, y a plus des gens qui ont des têtes... Si, y a encore des gens qui ont des têtes... Oh, lui, c'est une casserole, lui. On les connaît maintenant. Ouais, allez, mais là, ça tourne. Hein. Qu'est-ce qui me manque? Concrètement, qu'est-ce qui me manque? L'inspecteur est en train de quitter. Nous pouvons effectuer notre super illuminateur super luxe pour en augmenter l'efficacité. Alors, c'est quoi l'illuminateur super luxe? Bon, on va améliorer. Hein. De toute façon, on doit améliorer des machines. C'est le but. Donc, améliorons. Hein. Alors, nous, si on peut améliorer, on améliore. Hein. Ça, on améliorera après parce qu'il faut qu'on réussisse à les soigner déjà. Mais là, il en manque un. Hein. Qu'il faut en cours 2. Il faut que je guérisse les mecs qui ont des plantes, enfin des têtes cheloues là. Mais j'ai peur que j'y arrive pas. Il me reste 50 jours. Je suis pas sûr qu'il y en a. Ah si, on a un autre qui attend devant. Je dois guérir des gens de diarrhée verbale, moi. C'est mon truc. Une autre salle de consultation. Honnêtement, je suis bien là. Qu'est-ce qui se passe? Oh putain, attendez. Ah non mais merde. Oh putain, l'enfer. Ah mais l'enfer, mais j'ai été con aussi. Parce que c'est ma mère qui m'a appelé tout à l'heure. Et je lui ai dit que bah, je construisais l'hôpital et tout. Mais du coup elle m'a envoyé des messages. Tu es à l'hôpital? Qui est à l'hôpital? Que t'arrives-t-il? Je m'inquiète trop. Non. Attendez, deux secondes. On est en pause de toute façon. Oui, on est en pause. Attendez. Parce que là du coup ça a créé une situation pas du tout voulue. Où il s'avère que moi je suis docteur Miso. Alors qu'on n'est pas du tout en train de se faire soigner. On soigne des gens. Ah, oh, trop mignon. Oh non, je l'ai inquiété, Udin, désolé. Un jour, Udin. Je construis un hôpital. Ouais, c'est inquiété, non.
Alors, oh là là, putain. Eh, je vais bientôt devoir bouger, moi, en plus. Hein. Oh. Oh, non, c'est tombé. C'est bon. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Mes aïeux, on est là. Alors, guérison. On est propriétaire de 3 bâtiments. Ça, c'est fantastique. Alors, il faut améliorer les machines, maintenant. Ça sera pas mal. Lui, on va le soigner, ensuite, on va améliorer les machines. Il a dit quoi, quitte l'hôpital? Il fait quoi, lui? Oh, bah, il se fait pourchasser par une tête d'ampoule, là. On le traque, lui, au pire, hein, s'il nous fait un truc négatif. S'il nous dit un truc sur nous. Pourquoi ne regarde-t-elle pas le stream? Ma mère ne venait pas sur tous mes streams. Elle regarde de temps en temps, mais je t'avoue que de temps en temps, bah, elle vit aussi un peu à côté. Elle essaye. Bah, moi, je vais créer une nouvelle salle. Je vais créer la Super Luxe. Ah non, ça, j'ai déjà. Cardiologie. Ah bah, cardiologie. C'est combien? Mais du coup, en fait, le truc, c'est qu'il y a marqué taille minimale de la salle. Faut juste faire une taille minimale. Ça, je trouve un peu nul, en fait. Tu vois ou pas? C'est que j'ai juste l'impression que, bah, qu'il faut faire juste le strict minimum. Parce que là, moi, je vais faire une taille, une salle de 3x3. Et voilà, quoi. Fatigotron. Fatigotron, fenêtre. Petite poube, classique. Petite plante. Et voilà, quoi. C'est ça, le truc, quoi. Le niveau de prestige augmente si la taille est plus grande. Voilà. C'est ça que moi je fais des trucs plus gros. J'ai envie de vivre. Après, vous m'avez dit que je fais des salles trop grandes aussi. Hein. Comme ça, c'est peut-être bien. Je ne veux pas. Ah, il veut que je mette une porte. Je peux comprendre, sinon on n'entrera plus. Sinon on n'arrivera plus à rentrer dans... Petit extincteur quand même, toujours. Petite plante ici. Et petite fenêtre. Ok, on est bien là-dedans. Alors, on embauche un petit infirmier pas cher. 17 000, lui est bien. Faut quand même qu'on rentabilise, hein, parce qu'il y a un moment... Rapport d'inspection, impressionner le VIP pour la qualité. Nous a envoyé le rapport, il fait 30 pages pour... Alors nous ne l'avons pas lu, mais il se termine par un des meilleurs lieux médicaux de Tupoin County. Merci, merci. Merci, c'est plaisant, un rapport encourageant. C'est une personne influente, c'est plaisant. J'ai guéri 5 patients, j'ai gagné des thunes. Il faut que j'améliore des machines maintenant. Alors on va améliorer cette machine après. Hop, on améliore cette machine, comme ça quand les deux seront améliorés, on est bon. Là, on est bientôt niveau 8. Ça se passe pas mal. Peut-être des petits bancs. Peut-être des petits bancs, toujours des petits bancs. Dès que tu ne sais pas quoi faire, tu fous un petit banc. Tu fous majoritairement des bancs. Je mets des fontaines dans chaque... Ah ouais, fontaine à boire. En cardiologie. Ça peut se comprendre, hein, après. Hein. Il y en a déjà une, là. Ah, il y en a partout, là. Il y en a déjà une ici. Pour l'instant, c'est pas mal. On fait 40 000 balles de profit, là. Il faut que j'ouvre... Qu'est-ce que je pourrais faire comme salle que j'ai pas fait? Je pense une salle commune plus grande, ça pourrait être bien. Bien joué ça, McCornick. Merci, merci pour le sub. Enfin, le re-sub, Skirun. Skirun, 28 mois quand même. Hein. Skirun plutôt. 28 mois parmi nous. Alors attendez. Je vais déplacer le lit ici. Je vais déplacer ce lit là. Est-ce que je peux foutre un lit en plus? Bien sûr que non. Mais connaissant le truc, bien sûr que non, ça n'entrera jamais ici. Oh, que dis-je? Que dis-je? Paravent. Ça a quoi d'avoir plusieurs bureaux C'est important, plusieurs bureaux ou pas? Ah, il meurt là. Je crois que c'est quand il meurt qu'il y a... Ah bah il est mort lui. Ah, il y a du dead là. Ah, quand tu as deux infirmiers. Bah, je vais foutre deux infirmiers alors. Ça me plaît. Ah, mais ils sont tous en train de. Oh putain. Ils savent plus quoi foutre là. Alors, lui, ça va, il a la main verte, mais ils savent plus quoi foutre de. Oh,
Allez les gars là, on arrose hein. Oh, j'ai plus d'agents d'entretien qu'autre chose quoi, et on arrose pas les plantes là les mecs. Concentrez-vous putain, restez flex quand même. Restez flex sur les plantes les mecs. On arrive dans un hôpital, les plantes sont en train de crever putain. Oh y'a un mort. Oh il faut le gars qui les gère. Il est où le gars qui les gère? Y'a un gars qui gère les morts, lui. Vas-y, gère le mort là. Je sais pas comment... Là, ici, je sais pas comment... Ah, je vais t'attraper, je vais te poser avec le mort là. Ici, boum. Allez, gère-le. Parfait. Le fantôme est là. Il nous manque quoi? Y'a un chasseur. Toilette dans les nouveaux battes. On se met de la toilette? On se met de la chiotte? Allez, boum. Mais là, pour l'instant, y'a pas de cardiologie. Hein. Pour l'instant, on sait pas trop ce qu'on fout, quoi. On va foutre des toilettes. Et comme ça, on se fout. 3 sur 3, c'est bien. Juste à côté. Oh, quoi que, on se met deux chiottes. Oh, là, on va essayer de se régaler, là. Là, c'est bien, là. Oh, je suis... Ah, Simon ! J'ai passé l'hôpital niveau 8. Alors, nouveau, bouche indélicate. Parfait. Tendance à avancer les lèvres de manière excessive à un appareil photo. Passer 90 jours sans décès. Oh, je sais pas si je suis capable, ça. Plus 25% de bonheur. Oh, vas-y, on accepte. Ça fait quoi si on loupe une quête? Parce que de temps en temps, ça m'arrive de merder, moi. Elle me dit quoi, ma mère? Ah bon, bah alors tout va bien. Oh, elle est trop mignonne. Lui, il fait ça. Attends, c'est qui Ok, là il arrose, là ça arrose un peu. Vous allez vous reposer après. Hein. Daisy, je t'attrape. Tu vas te reposer un peu, Daisy. Kirk aussi. Kirk, un peu de repos. Un peu de repos pour Gareth. Et un... Oh la vache. Là, c'est du burn-out. Là, on est clairement sur du burn-out. Allez, les gars. Hein. On se concentre, on est flex. Nouvelle promotion. Allez, t'es promu, mec. C'est le pire streamer ever, sérieux, et aussi pendant qu'on y est, la radio, tu casses les oreilles sévères. Eh ben merci quand même de nous écouter, parce que tu nous fais des statistiques, monsieur. Donc c'est gentil, ça nous fait plaisir. Le bon ban. Oh, c'est bien, vous l'avez géré. Hein, parce que si tous les cassos, moi je dois les remettre en place, on ne s'en sort plus. C'est bien quand vous le faites naturellement. Quand vous voyez un cassos, n'hésitez pas, hein, mettez-lui ce qu'il mérite. Prix et bilan. Alors on va voir le prix et bilan. Remise des prix, 3 secondes. Un mec qui a une rechute. Bah ouais, non mais... On a des salles de psy et tout. À quoi bon? Why not, nouvelle réception? Ça pourrait être bien. Mais est-ce qu'ils peuvent venir d'un autre endroit où ils sont tous obligés de venir? Tu sais, parce que dans les gros hôpitaux, t'as différentes entrées, quoi. T'as les urgences, t'as... Il y a différents passages, quoi. Alors... Qui a gagné? Médecin de l'année. Dommage. Je sais pas qui gagne, après. Willow. Prix 5000 balles. C'est moi qui lui donne, du coup? Oh bah j'ouvre tout. Choix des patients. Un prix spécial accordé par les patients eux-mêmes. Leur vote dépend généralement des traitements réussis. Oh, je l'ai eu! Ah, parce que ça peut être des gens qui... C'est pas moi, zéro mort, hein, j'ai pas eu. Agent de maintenance de l'année. Ah non, ça, ils sont nuls. Employeur de l'année. C'est moi. Oh, c'est beau. Oh, on est bon, là. Hôpital 3 étoiles. Oh, il faut être au niveau 10. On a un peu le temps pour être au niveau 10 encore. Puis on va le promouvoir. Eh, ça avance très bien, quand même, hein. Pour l'instant, ça avance très très bien. On fait beaucoup de sous. On est à 120 000 dollars. Les poteaux. Je vais mettre une petite save pour ne pas louper. A-t-il vraiment tort? Que je suis le pire streamer? Oh bah peut-être, mais dans ce cas, ne me regardez pas. Enfuyez-vous. Partez. Et Fred 10, bienvenue à toi. Merci pour le Twitch Prime. Et pareil pour la radio. On aime, on n'aime pas. Mais l'avantage d'Internet, c'est qu'il y a tout. Il y a les goûts, il y a les couleurs. Et on peut faire le choix. C'est ça qui est beau sur Internet. C'est que tu peux faire le choix de ne pas regarder les gens que tu n'aimes pas. Contrairement avant la télé. Donc ça c'est, tu vois, ça aurait été plus chiant. Je t'aime pas la radio, mais j'aime pas les jeux auxquels tu joues, mais je t'aime bien alors je te regarde. Bah écoute, bah c'est gentil. Merci à toi Durand. Même si voilà, c'est normal. Perso j'aime tout, mais ça c'est gentil. Ça tu vois, ça c'est un vrai frérot. Le pire c'est qu'il faut quand même donner. Ah bah ouais, mais ça c'est... Ça arrive de temps en temps. Je viens de faire ma rentrée. Ça va, ça s'est bien passé? Moi aussi je fais ma rentrée dimanche. Moi si j'étais content, ça s'est bien passé.